pas partir en exploration. On n'en est pas en explo, moi. Ouais, mais. Nous, on bosse. Hein. Ah T'as pas le niveau pour aller avec Flo. Non, mais attends. Oui, non, mais là, t'as pas le niveau pour aller avec Flo. Non, non, clairement pas. Pas le niveau. Ah, oui, oui, je suis dans une zone. Là, j'ai envie de faire une pioche, mais je cherche comment faire. Une pioche, on t'a toujours dit qu'il faut battre le premier boss. Ah, ouais, ça. Je finis de rail et je viens t'aider à battre le premier. Les boss. Ah, du coup, salut au stream, salut à ceux qui sont sur la rediff. Ce soir, c'est du Valheim. C'est la première fois que vous voyez du Valheim en stream. Il y avait eu des vidéos sur Valheim il y a fort longtemps. Mais là, on est en stream. On teste. Salut notre truc. Pourquoi vous faites un interrogatoire? Viens, viens, on décale. Ça bisous tout le monde. Allez, salut. Ciao. Moi les gars, je vais vous raquer. C'était moi. Mais on s'en fait. Ah là, ah là, ah là. On en a eu. Ah la mobilette. Ah la mobilette. À la mobilette. À la boucherie, allez. C'est bon. Ouais, on live. Merci. Ouais, merci. Là, j'ai mal au bide. C'est gros un tacos quand même. On va mettre le seum incertain. Trois viandes. Ah, découle bien. Ouais, Maël, il bave. Bien. Non, mais depuis tout à l'heure, Maël, il bave. Je me demande des infos après. Tu l'entends plus. Il y a des monstres là derrière. J'aime pas l'ambiance. J'aime pas l'ambiance. J'ai pas ça encore, je suis sur compte. Bon, je profite, hein. On n'a rien. Là pour le moment, en termes de ferraille, c'est pas fou. Et puis en train de retarder l'échéance de notre avancée technologique. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça va le faire. Pour le moment, c'est pas fou, mais ça va le faire. J'ai largement pas tout fouillé. Je fais confiance, mon chef. Tu peux. Ça va péter avant la fin de la crèche. Non, mais il peut les prendre ces framboises. Flo, il faut une tête de quoi pour ouvrir le premier monstre? Il faut des têtes de cerf. Et en fait, je sais pas du tout, moi j'en avais pris deux au cas où. Merde, je peux pas transporter là. Merde. C'est rien, les doigts. Citron, t'as des têtes de cerf ou pas? Je ne vais pas rester dans le bonne continuation, que... allez. A la prochaine, Matsun. Flo, on est en live ou pas? Ouais, on est en live. Ouais, on est en live. Où j'en étais, moi? Ouais, j'en étais là. Alors, mais il y a de la ferraille quand même, ça va, il y en a pas si peu que ça, tiens. Moi je vais aller voir avec... s'il a ses putains de têtes ou pas parce que je crois que ça me suffit pas comme réponse. Oh putain! Oh, je suis parti avec tout mon stuff de la crypte. Oh j'ai eu chaud, il est sorti d'où lui? Mais quel débile! Je suis parti avec tout le stuff de ma crypte. Il est parti où? Pourquoi il est là-haut lui? En fait c'est qui là-haut? Au moment c'est pas lui. Ah, et du coup t'as une tête? Attendez. Ah ouais? Moi je vois que ma haine, c'est mon rêve.
t'entends, je suis à côté de toi. J'ai dû le désactiver sans faire exprès. C'est où on... Là, c'est bon ou pas? On a une pression fatale actuellement. Bon, prends son piston à la gueule, mais une ça devrait suffire. Une tête de cerf. Eh les gars, vous voulez savoir un truc? Quoi? Je monopole sur le fer. Nous, moi j'ai le monopole sur le bois. C'est vrai, vous avez le monopole sur la bûche. Oui, là on a largement le monopole sur la bûche même. Ouais. La bûche. Oh putain, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est un hélicoptère, c'est pas une maison. Comment il m'a posé les trois? Il est lui. Je prends les trois. Flo, faut que tu m'expliques. Ouais. Comment il a posé ses trois? T'as vu la maison de citron ou pas? Ah non, j'ai jamais vu. Non, jamais vu. Ah ouais. Je te fais pas confiance, mais on va voir quand même. On dirait les maisons que tu faisais dans Ark quand je t'avais pas vu. Pourquoi t'as mis un toit dans l'escalier? En bois, je vais. Ok, là je veux bien, ça rend bien. Le toit à l'intérieur ça rend bien, mais dehors c'est. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer avec lui là? Je vais crever. Oh le bâtard! Mais tu cheats, espèce d'enculé? Non. Quoi? Non, en gros j'ai activé une compétence des boss. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les lobes maintenant. Non mais en gros j'ai mis que j'ai activé une compétence des boss quand tu prends sur le pied. Ouais. Non. Alors en gros je t'explique. C'est où ça les lobes? Je sais pas. Il a sauté, il s'est tiré les bras en arrière, il y a eu une aura violette qui est passée autour de lui. Et ça m'a activé truc mes couilles de l'aîné là. Donc là sur moi j'ai une compétence de l'aîné. Ah, mais non, mais ça c'est bon, il a pris sur les hôtels à l'entrée. Parce que j'ai placé les têtes des boss sur l'hôtel et en gros tu peux prendre un pouvoir. Par exemple, l'aîné, ça te permet de couper des bûches. Et ah, mais c'est pour ça que je suis aussi fort. J'ai 1200 de bois normaux. Comment ça? Non, mais je sais pas. Attends. Mais F, je l'ai pas, mais t'inquiète, ils vont me dire. J'ai 1200 de bois normaux et 1200 de bois. Flo, celle du cerf, elle sert à quoi et l'autre, elle sert à quoi? Celle-là, elle sert à endurance. Ouais, endurance en combat, ça... c'est pas mal. Et après, t'as le. Cherche la touche, oui. Non, ça, c'est pour s'asseoir. Ça doit être un combo à la con encore. Ouais. Putain. Ouais, mais moi je suis manette. Ça va, Cyriel? Paramètres. Elle est là ou pas? Ah putain, il m'a fait peur. Vous allez voir à quel point mon perso est baraqué. Ah, faut peut-être que j'augmente le sang à Lucas maintenant. Attends. Oula, tu peux le rester plus là parce qu'il arrête de pas ramener le sang. Ah bon, bah je vais. Ouais, mais c'est peut-être plus important sur Valheim d'entendre tout le monde. Ah, franchement, c'est la croix vers le bas. Mais ça m'assoit la croix vers le bas. Ah. Rip, hein. Trop nul. Elle commence. Oh, toi le manifestant, voilà. J'ai pété un câble. Sans déconner. Non, faut pas péter un câble. Faut aligner ses chakras.
Oh, arrête avec tes chakras, toi. Ouais. Ouais. Comment t'en donner du chakra? Oh, ça me fait chier. Alors. Je veux bien. Attends deux secondes. Salut Adrien. C'est trop bien de faire du Valheim en live, j'adore. Ouais, non, ouais, c'est cool. Alors, ça il est où l'hôtel l'hôtel à la couleur? Comment ça? En passant devant. C'est lui, je crois, l'hôtel de la biquette. T'as combien de points de vie, Je me noie. Tu te rappelles là où on avait des co? On avait des co dans le bateau, mais t'es parti en T'as pas assez de stamina pour nager jusqu'à la côte? Si, c'est bon. Oh putain, y'a un chaman. On se la tue. Tu vas le faire avec l'arme que t'as, c'est rien. Non, il est loin de toi. Tu sais que t'es plus fort que Maël en combat? Non, mais je suis plus fort que toi aussi. Bon, là, largement pas. Si, Flo, le brut, tu le détruis en deux coups, moi je le détruis. Ah non, en 3, moi je le détruis en 2. Ouais, ouais, c'est ça. Normal. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, je te rappelle que maintenant je suis en full fer. Hein. C'est bien. Ah, voilà. Ah, elle râle. Ah, mais tu me passes, ces armures, s'il te plaît. Mais là, il faut tout passer. Hein. Non, t'es gentil là d'un coup. Hein. Allez, s'il te plaît, mon bébé. Je peux pas encore, Cyril. À la limite, il faut que tu viennes m'aider, mais. Non, mais y'a des problèmes avec. Salaud! Putain, je vais mourir. Ah ouais? Pourquoi? J'ai perdu la maison! Je suis perdu dans la forêt parce que je suis nul en orientation. Mais je cours! Je cours! Je m'accroche à la vie. Oh. Bah, l'avoine. Y'a des chamans partout. Ça me paraît petit quand même la crypte là. J'ai eu combien de fer dedans? 30 et 14. C'est Valheim. C'est Valheim, ouais. Valheim. Oh oui, pioche. Un truc nord. Oh merci. Bah, une tourne, non, une pute. Vraiment, c'est ça, pourquoi une Léo aussi, je vous comprends pas. Comment ça, tu vois? T'es level combien, Cyril, en bois? Oh, attends, plus que vous. Il y a un chaman à la maison. Oh putain, il est en train de saccager la maison. Viens là, toi. Le laisse pas faire. Hein. Mais je me laisse pas faire, quoi. Non, le laisse pas faire. Ah oui. Faut qu'on trouve pour activer ce putain de compétence. Oh, j'ai trouvé. Regarde, t'as vu, ça fait c'est ça. Et là, non, tu. Je vois pas de fantôme. Une ouais, mais là-bas, il y a un. Oui, mais là, je suis toujours en train de courir en fait, regarde. Là, je m'y aide plus. Sur le chemin, il y a un Hauser, c'est chiant. Ah, ouais, il est pile dessus quoi. J'ai oublié le titre, mais le jeu. Si on l'a remis sur l'hôtel, il se passe quoi? Le principe du jeu ou l'histoire? En fait, c'est la mythologie nordique. Voilà. En gros, tu joues un personnage et faut que tu évolues dans le monde et que tu battes des boss. Voilà. Ah, il m'a quand même touché là? Ah, ouais. Et c'est efficace pendant combien de temps le. Ça doit être marqué, non? Attends, parce que je suis en train de me faire empoisonner à gogo là. Merde, j'ai plus de champi! Merde! Ah non, mais ils sont là mes champi! Oh là! C'est catastrophe là! Wesh, qu'est-ce qui se passe? T'as amélioré le truc ou en. La forge? Ah bah oui, la forge elle est level 4 ou 5 là. Mais là Cyril, on a pas chômé, il s'est amélioré pendant qu'on s'améliorait nous aussi. Ouais, je vais aller visiter leur base. Ouais, tu passes par la maison à Léo, il y a un portail en haut, tu le prends et tu vas voir, tu vas être à leur base. Ouais, Cyril, tu viens. Tu vas voir ce qu'on a fait en une après-midi, c'est sympa. Ouais, mais après vous avez de l'après-midi. Ah, c'est ce que tu vois, il avait farmé les bois. Il y a eu du temps passé. Temps passé, mais c'est mérité, tu vois. On va pas dire que ça a été comme ça, tu vois. Ouais, ça a pas été instantané, ça c'est clair. On a 1200 de chaque, hein. C'est pas aussi toute la zone qu'on a aplanie. Parce que c'était montagneux là où on était à la base. Bah, comme là où je suis en ce moment. Ouais. T'es en train d'aplanir encore, toi? Ouais. Elle est où la maison, Léo?
celle qui est... Tu te rappelles pas la merde qui est derrière? Ah, la merde, si, je vois ce que c'est. Ouais, la merde, oui. Là, tu te rappelles quand je t'appelle comme ça. Espèce d'enfoiré. Elle est où, Matsa? La mythologie nordique est en même ça. La mythologie nordique. Eh merde, j'ai perdu mon machin pour aplanir. Qu'est-ce qu'elle a, ça? J'ai mort. Je lui casse les couilles. Mais... Un chat à travers la gorge. Je suis malade, faut pas m'embêter. Je suis malade. Ouais. C'est... Elle est fatiguée parce qu'elle fait du sport, d'ailleurs. Complètement pas là, celui. C'est moi, Jacob. Jacob. C'est moi. Putain, je suis plus musclé que toi. Ah. Oh, ça va. Ouais. Elle loupe direct. Si, tu m'as pas dit combien t'étais en poids. Hein. Ah, attends, comment on le voit, ça? Tu fais échappe, tu fais... Non, c'est pas échappe, qu'est-ce qu'il raconte? C'est tab. Tab et en haut à droite, ta compétence. Les trois petits triangles. Compétence. Et alors, tu veux savoir la hache ou la hache? Non. Couper du bois. Couper du bois. 50. Ah, je suis pas loin de toi, je suis à 42. Ah, il est plus mal. Là, tu me creuses pour descendre au même étage que le temps. Comment on descend? Bah, il y a une porte. Mais non, il n'y a pas de. Une porte. Elle est dans la maison, comment la réponse, pas comment... Elle était... comment on descend? Je sais pas comment ça marche, une maison. Oh putain, j'arrive parce que là, elle me fatigue. Ah non, je pensais que c'était une porte. Mais j'y vais parce que moi j'ai plus de. Non, ça c'est une trappe, ça s'appelle déjà et non. Elle y est arrivée. Moi j'ai plus de. Ah, mais Flo, c'est pas l'endroit où t'étais au début. Ah non, c'est. Non, c'est pas tout. Non, mais là, on a build nous, on a build avec Maël. Moi j'y ai rien fait là où ils sont. Y'a un cogneur. Un cogneur? Oh, y'a un spectre là-bas. Oh, y'a un spectre. 53 flèches en flamme. Dehors de la porte. Laquelle? La principale. La principale. Ah oui! Salut! Je veux tout le bois, c'est qu'on a. Viens là, salaud! Attaque chargée! C'est moi qui ai tout ramené. Putain, je comprends, t'as augmenté de niveau en une après-midi quand. Et tu vois toute la zone là, toute la zone où tu marches. Toute la zone où tu marches, elle était à cette hauteur à peu près. Là où je suis. Et gros, qu'est-ce que tu fous là, c'est bon. De quoi? Ça y est, l'autre. Encore en train de vous voler l'autre là. Ouais, encore. Il vole pas là. Y'a Yota, regardez. Regardez là-bas. Ouais, je l'ai déjà vu tout à l'heure, c'est vrai, là je le vois aussi. Oh, ouais, il vient de disparaître. Oh, oui, c'est parce que je lui ai pensé de... Par contre, c'est qui le gros rat qui enlève pas les souches? C'est à ton avis, c'est Citron, ça. Hein. Citron qu'on l'a exploité et qu'il a révélé la révolte. Putain, ça m'énerve hein, quand c'est... le travail il est mal fait. Oh, oh là là. C'est lui, je lui ai dit, Citron, les trucs qu'il fait. Ouais. Mais non, mais de moi je coupais les arbres et toi donc, tu les finissais. Ah, y'a un brut, je vais me fight. Vas-y. Fais ton plaisir. On va pas dire non. Occupé à autre chose, j'ai un peu la flemme sans se mentir. Ah, je vais mourir. Si je croise une abomination, je suis mort. Non, tu vas pas crever quand même. Non, mais j'ai pas les flèches enflammées pour les descendre. J'ai pas pensé à avant de me battre en fait. Non, mais je parlais pas à toi, Flo. Je parlais à ta femme qui a dit ah, je vais mourir. Comment ça, elle va mourir? Mais non, mais c'est non, juste non, que non. J'ai pas pensé au fait de manger en fait avant de me battre. Je suis con. Quand même. Alors que j'ai aucune énergie, j'ai rien. Bon, c'est pas grave. Quand même. Allez, crève. Oui. Ah, mais t'es encore en vie, toi. Ah, mais y'a d'autres brutes. Regardez là-bas, y'en a plein. Mais il est en train de se faire enculer. Mais c'est pas des brutes, c'est des mini-machins. Et comme ça, c'est très poétique. Il est en train de se faire... Des chamans et des mini-machins. Ouais. Il y a un autre chaman derrière ici, il y a un chaman qui arrive. Ok, je savais. J'ai vu sa lumière bleue, cet enfoiré. Putain, pile quand Odin il s'est barré, il y a tout le monde qui a débarqué, c'est un... Il y a trop de squelettes. C'est une armée, con. Oh là, c'était facile, il avait plus de PV. Hein. Moi, je vais crever. Oh. Non, ne meurs pas. Hein. Moi, je vais réellement crever. Non. Si, il y a des drogues, il y a des... Il y a des squelettes, il y a un spectre, il y a total là, c'est fini. En
fait, ça me fait mal à mon ego de voir que Léo et Maël ils sont forts alors qu'ils ont commencé il y a peu de temps. Maël, genre, il a juste coupé des armes. En combat, toi t'as déjà tué un troll, lui jamais. Ouais, avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'aide de Léo, oui. Putain, tu vas laisser mon vassal tranquille, merde. Il y a deux spectres. Veux-tu que je fasse quoi, moi? C'est sympa de la... Juste, si tu peux éviter de creuser plus bas que le sol qu'il y a là-bas. Putain, mais c'est le jour, là. Vous devriez disparaître. Et mon connard de personnage qui avance pas aussi, il avance. Bon, en fait, on est en train de venir pour encore agrandir. Il nous faut de la place, on a prévu de faire un empire là. On va faire 4 gad. Mais c'est ça le problème. Mais c'est pour ça, Flo il sait, faut pas que je joue à des jeux comme ça, non. Ah, mais moi je l'ai oublié de me battre. Je te dis, Léo, on va faire full kill. Il est là lui. Mais encore, mais il va jamais me lâcher. Ça va être une énorme cité, tu vois. Je m'en fous, il va prendre des coups de pioche lui, hein. Y'a rien à foutre, hein. Viens là, tu vas manger ma pioche. Elle est en train de le s'abattre à coups de poing. Je suis en train de la prendre à me battre. Je lui apprends la vie. Oh putain, comment t'es monté là? Avec la force de la pensée. Avec la force, voilà. C'est une Jedi. Oh mais mon frère, get donc, comme ça. Viens d'être battre. Mais c'est qui me casse, c'est cool lui. Viens, on le tabasse. Ils dispawnent pas ces enfoirés, mais dispawn. Putain, c'est le jour, t'es pas censé pouvoir exister. Nous aussi, mais on est en train de le fracasser à coups de poing du coup. Viens te battre carrément. C'est bien. Ah, là. C'est comme ça. Fallons pas inventer les chevaliers, espèce de guignol. Mais pourquoi tu fais peur la prenez-les, mon Dieu Résus. J'en peux plus. De quoi les pierres? Parce qu'on est full stuff. On est full stuff à force qu'elle tombe des pierres. Mais c'est quoi tout ça? Flo, ça va, t'as envie? C'est quoi tout ça? Je pense que tu devrais aller aider ton mec. Hein. Mais je suis pas prête pour là où il est. Mais bien sûr que c'est. Madmi, il y est allé, il était en cuivre encore, hein. Il était en bronze encore hein, quand il y est allé. Bon, après, certes, lui il a un niveau de jeu sur. Ouais, voilà. Au jeu vidéo, c'est certes pas comparable, mais. Ah! Mais putain, mais il colle au train, ça là. Bon, allez, je vais venir pour faire plaisir, maintenant. Pour l'aider. Du coup, on se pointe à 3 pour l'aider, sinon. Ouais, on y va. Allez, les filles. Non, vous allez mourir, vous récupérez jamais votre stuff. Alors, en sachant que j'ai le même stuff que toi actuellement. Mais c'est pas juste. Ah, le charbon, hein. N'importe quoi, vous avez tout volé à Flo, j'en suis sûr. Non. Il si. Y a vraiment un monde où on a charbonné. Hein. Non. C'est pas possible. Vous avez le jeu depuis quand? On a le jeu depuis moi, je m'étais pointé une fois mais j'étais en cuir. Ah oui mais c'est vrai, ça fait longtemps que t'es là. C'est Maël. Ouais mais je me suis pointé une seule fois et j'étais en cuir donc Ouais. Allez meurt le spectre. Voilà, un en moins. Voilà. Nous attaquons. Oh après, je peux pas dire que Flo n'ait pas joué un grand rôle dans notre belle voilà. Ses conseils. Mais oui, mais il nous a conseillé tout le long. On est obligé de prendre. Il y a un moment, on est obligé. Compliqué du. Comment tu veux grimper en une après-midi comme ça sans conseil? On s'est fait agréer. On était petit, on était tout petit. On était sorti. Genre. Voilà. Me fais une armure. Je peux pas. On a pas ce qu'il faut. Moi, une armure. On a... C'était au niveau. Donne-moi la tienne alors. Non, clairement pas. Pourquoi? Parce que si on la donne à... Ouais, non. Toute l'après-midi, j'ai farmé, non. Mais toute l'après-midi, je t'ai regardé farmer. Léo, passe un peu de où? Mais j'ai même pas de... Une épée, quand même, ou t'as une headgear. Ouais. Quelque chose pour gaffe. Oui, bah voilà, donc t'es bon. Le où, il faut être presque inutile, on est dans de la roche. Ok, bon. Les guides de où pour aplanir, ils sont à chier. On va explorer un peu plus loin, parce que là... Regarde, attends, je descends de là où je suis et après je te montre. Ah mais c'est pour ça en fait, ils sont partis dans sa loin parce qu'ils sont partis faire du Warfener. Où est-ce qu'on pourrait passer? Fais gaffe, il y a un truc empoisonné là. S'il te plaît, sauve-moi. Je suis faible. Non, t'as une headgear, Cyriel.
gueule. Oui, mais le poisson, moi j'irai le poisson là. Cours, c'est toi qui le veux. Oui, c'est toi qui le veux. Non, c'est bon, c'est moi qui le veux. T'es pas au poisson non plus. On a un deuxième. Alors, du coup, regarde ce que je t'expliquais. Putain, il pète. Meurs. Flo, y'en a un autre qui te fonce dessus. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il y a des endroits où ça fonctionne et des endroits où c'est à chier. Ouais, il fait quoi? Il est perdu là-haut. Mais quoi? Mais putain, mais encore, j'ai perdu mes champignons. Qu'est-ce qu'il faut que je retourne à la base, j'ai perdu mes champignons, putain. Non, mais c'est pas possible, Flo, tu me laisses pas avec une boue puante. C'est mieux en vrai. Si, tu vas y arriver. Toujours aussi encore gentil, Cyriel, toi t'as farmé, elle t'a regardé. Oh putain, sans déconner, t'as creusé sous la grotte. Oh merde, j'avais pas fait gaffe. Où sont mes champignons? Là. Je suis pas chômeur moi. Quand est-ce qu'on va... Non mais ça, arrête. T'as vu tout ce que j'ai creusé, fais pas chier. Ouais. Commence pas à me faire les grosses couilles. Flo, c'est pas en même temps là, les drogués. Ça, il te faut ton headgear, c'est mieux que l'arc. L'arc, c'est pour les bouboules. Cours, cours. Quel monstre tu compares à des bouboules? Les blobs. C'est des bouboules les puantes. Blobs et les Hoodzer. Les Hoodzer. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Flo, regarde là-bas, il y a des drogues là-bas. Il y a des en drogues. En mode allemand là, c'est Hoodzer. Je sais pas ouais, comment on traverse là, en fait, ça le problème. Comment? Dans un coffre, comment? Non, on va traverser. Histoire de mettre. La ouais, j'ai dit faudra qu'on fasse un coffre hors de la boue. Quand tu vois qu'il frappe, recule ou fait une roulade, sérieux, non? Pour mais essayer d'éviter la mort. Il y avait ton gros cul dedans. Mais t'as aucun instinct de survie, c'est un truc de malade. Hein. Oulala. Là là. Un coup de poing. Putain, je vais passer à coup de poing. Bon, après, il avait pris un coup de clé mort avant même. Non. Oh, ouais. Ça va. Hein. Toujours à me Flo faire laisse du mal. L'espérer, bordel. Voilà. La pauvre. Déjà qu'elle est pas très forte comme nous, donc. Heureusement qu'il a rajouté le pomme, sinon j'aurais su. Là-bas, il y a un village de gobelins là-bas. Fais gaffe parce qu'il y a une prairie en fait là. Pas loin. Oh putain, bah là on est foutu hein. Pas une prairie, une plaine. Prairie, c'est le biome de base. Tu la vois ou pas? Non, mais tu veux aller là encore. Bon, on visite. Il faut qu'on cartographie ce marécage pour trouver des cryptes et trouver du fer. Parce que sinon, on va jamais pouvoir nous faire d'armure. Oui, mais tu me fais aller dans l'eau alors que tu sais que si ah bah tiens, je prends une sorte, je meurs. Regarde avant. Ça, c'est une nouvelle crypte, ça. Faut qu'on se démerde à chaud. À dégager ces putains de cailloux. Allez, fais un chemin. Parce que sinon, on ne pourra pas y aller. Ah, bah, y'a. Yeah. Bon, en fait. Un coffre. J'ai pas de bois du tout sur moi, nickel. Bon ben je vais piocher. Mais prends du bois, en vrai, parce qu'il manque. J'ai la flemme. Tu sais que je vais sûrement me faire dépenser. Tu sais que ton arme elle est disponible en fer aussi. Oui, mais je vais me faire dépenser là. Non, c'est bon, c'est en fait il y a les mêmes mobs qu'à l'extérieur mais dedans. Bah oui, mais je me fais tuer par les mobs à l'extérieur. Non, rentre pas, sort. Oh putain. Surtout que si elle a une headgear, c'est peut-être pas l'arme la plus adaptée pour aller à l'intérieur. Non. Restez derrière moi, Cyriel à l'arc parce qu'il va y en avoir besoin. Je vais la noter, la crypte, on va lui donner un nom. Ouais, je sais pas comment on écrit. Oh, vous savez quoi? En rien à faire. Ça me caillasse, attention. Flo, si je meurs, sache que je t'aime. Je vais donner ton nom à cette crypte. On va faire un chemin qui relie à une autre crypte. Comme ça, on va pouvoir revenir plus facilement avec une charrette pour pouvoir la faire. Parce qu'on pourra pas transporter le fer sur nous, c'est trop lourd. Impossible de le transporter à la main. Ah, merci. T'es au courant que là, du coup, on va décrocher le rocher? Bah, je sais pas s'il va se décrocher, je suis en train de voir exactement. Il y a un anorexique qui vient vers nous. Bah, fume-le, c'est un anorexique, ça, c'est du niveau bébé. Ça. Il est en face, je peux rien faire, attends, je vais pas faire quoi. Non, arrête de se servir de tes flèches, économise-les. Ça pourrait nous permettre de faire un rôle. Hein? S'il se décroche, à tout moment, ça roule. Putain, mais sérieux, tu fais quelque chose?
Viens m'aider, Cyril, on a besoin d'aide. En face, regarde ce qu'il y a. Ouais, mais bon, réparer la tour, je te la fais repérer à toi, mon pote, si ton IDN décroche la boule. J'ai plus de vie. Mais je pense que vu qu'il y a par contre, il faut que tu m'aides, hein, parce que là j'ai tous les mobs sur moi. Non, mais oui, non, mais oui. Mais putain, mais c'est un truc de fou par contre, les combos qu'ils mettent là, les mobs. J'ai détruit le. Ah ouais, mais si tu pars en 3 heures, si mon perso ça va pas le faire. Hein. Mais là j'ai trop de mobs sur moi, Flo. Cours. Et en fait, c'est chiant les archers. Putain, j'ai plus de vie. Cours, je t'ai dit, bordel. Mais j'ai plus de stamina. Mais cours, c'est pas difficile d'utiliser tes jambes, non? T'es pas en fauteuil roulant, ouais, que je sache. Quand t'as plus de stamina, si, c'est difficile. Ouais, mais là, en fait, le problème, c'est qu'il faut péter ce putain de spawner en squelette, Cyriel. J'ai les mobs sur moi, fais-le. Oh, j'en fais. Failli crever, Cyriel. On est dans le marécage, là, on est plus dans la forêt noire. Hein. Non, mais t'inquiète pas, on va te faire de l'équipement. Regarde ma vie, comme j'ai pas beaucoup de vie. Ouais, bah oui, moi aussi, t'inquiète pas, ça va le faire. Bon, maintenant qu'on est arrivé jusqu'à là. On en était où du chemin, c'est ça, hein. On en était à peu près. Oh, Lucas, quoi? Tu fais quoi? Allez! Incroyable, il répond même pas à son prénom. Mais attends, mais. Gobelin de merde! Gobelin. Il est occupé, c'est toi. Oh, non, mais j'ai plus ça, mais y'a un gobelin qui me fait chier. Un gobelin? Pas de gobelin, on était un bourdon. Parce que des gobelins, y'en a aussi sur le jeu. Je commence à confondre. Ouais, on dégage. Je glisse des gens dans la place qui aidait la bouche. Tout le temps. Oh! À qui t'as dit ça, Adrien? Ah bah devine, hein, qui dit ça comme d'hab. Alors. Je pense que ça parlait de ta femme, le chef. Oui, je sais. Ah bon? Maël, on pourra pas le faire tomber. Pourquoi? Ah, mais j'ai jamais eu l'énergie. Faudra que je fasse des potions revigorantes. Ah bah ça va être le... Putain, là je... Attends, non, mais je vais essayer d'aller chercher l'arbre, là. Oh non, sérieux, sans déconner. C'est la descente, peut-être, pour toi que c'est incroyable. De quoi? C'est peut-être la descente quand on est dedans. Ah, il se tue pas, cette arme. T'étais à l'ouest, hein, aujourd'hui. Fais gaffe, y'a des sensus. Après, ça peut nous servir pour. Je vais pas te mentir. C'est un échec. Bah après, voilà. Ça peut nous servir. Maintenant, on a plus qu'à passer ici avec la charrette. Allez, let's go. Pour des monuments avec. Non, mais alors, de 1, il y a un monument à faire ici. Ouais. Et de 2, suis-moi si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Oh putain, on dirait le truc d'Excalibur. Attends. Oh non, me dis pas que ça enlève jusqu'en haut. Oh mais c'est trop bien. Mais non, j'ai la haine. Oh, bah moi si, je voulais faire un passage. Je voulais faire un passage. Attends, mais cette pierre. Oh putain, j'ai compris. On est à la limite de la map en creusé à cette hauteur. Ah ouais? Ah ouais? Bah oui, regarde, c'est pas la même, c'est pas la même caillasse. Ah ouais. Putain, mais c'est vrai qu'on... Mais on pourra pas descendre plus bas, putain. Oh bah c'est pas grave, on fera des maisons pas. Je viens de penser, là si on met un plancher ou un truc au-dessus, on peut quand même faire un passage secret. Ouais. Juste réparer mon équipement. Là, Flo, on vient de trouver un moyen de terraformer, écoute. Qu'on a avancé en plus. On le fait en triple. Aïe, Kayas. Ah, GGN, c'est parti. GGN. Fort d'accord, pas blanc.
Hop là. Bon dans le dos, j'ai... C'est bon, voilà. C'est le terroriste, c'est bon. Oula, Adrien a supprimé une... Ah merde, qu'est-ce que c'est? Oh, Cyriel, t'es pas drôle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, elle a supprimé le message d'Adrien. Elle a supprimé le message d'Adrien en disant... Oh là là. Oh là là, madame, c'est vexé. Attends... Et on peut pas obligé de vexer. À la crise de temps. Viens, Cyriel, on y va. A toi de me défendre, j'ai la charrette. Maël, ouais. On va planir tout ce bordel et... Ouais. C'est pour qui? Alors, Flo, tu reviens, l'idée est plate, hein, c'est... Là, on part en couille, ça y est, c'est le moment, c'est... Ah mais c'est pas au groupe, on peut casser encore, hein. Non, mais attends, laisse-nous l'accès au truc. Ouais, mais c'est pour ça que je... C'est quoi ce que j'ai entendu? Ah, c'est un bestiole. CRS, bonjour! Voilà. Oh putain, mais là on va plaire. Par contre, du coup, ça veut dire que même ici. Attends. Oh putain, Maël. Je me souviens plus exactement de où elle était. Oh, je vais prendre un caillou sur la gueule. Attends. Putain, qui c'est qui laisse des souches? Elle tombe dans mes tunnels. Attends. Un caillou. Oh merde. Mais non, c'est bon. C'est bon. Oh, putain. Oh gros, je l'ai vu tomber, je me suis dit ça y est, c'est pour sa tête. Et non. T'as ta pioche, Cyriel? Alors, c'est juste. Allez, let's go, viens. Dans tout ce que j'ai dit, elle se vexe alors que c'est juste vrai. Salut, Pic, ça va? Ça va? Oh le bâtard. Attention, attention! Les deux points. Non, y'a un blob, recule. Je suis déjà en train de. Tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Mon avis, tu les crèves pas là. T'inquiète pas. Laisse-moi passer devant quand il y a des blobs parce que moi je résiste pas. Non, je vais crever. Non, tu vas crever? Ouais. Oh, tu auras retenu le chemin, c'est pas difficile. Hein. Ouais. Il faut que tu t'achètes. Ah, sérieux, c'est... Ah, faut que tu sois avalé. T'es morte? Mais non, mais sérieux, arrête de. Oh là là. Eh, heureusement que t'es... Ah non, pardon, tu es mort, Escar. Je veux dire, heureusement que t'es pas réellement une... Arrête, t'avais envie de jouer tout à l'heure, c'est juste que je viens de te faire buter, c'est tout. Ça arrive au meilleur. Non, je suis fait buter, tu l'as même pas vu. Ouais. On disait pique, ouais, il faut que t'achètes le jeu. C'est normal de se faire buter, T'as pas encore la bonne armure. Parce qu'en plus, si tu l'as, Joe il va devoir. J'ai donné une potion. Comme ça, au moins, quand tu vois qu'il y a des blobs là, tu la consommes direct. Tu passes Léo. Il a bugué? Ouais, parce que je vois qu'il bug. Ah merde. Il a peut-être bugué alors. Ah dommage. Ouais, parce que déjà quand t'as pas deux, ça fait un peu de game, moi aussi, ça fait back un peu. Attends, je vais voir sérieux. Si je l'achète après le stream. Bah oui, regarde. Je vais voir si je l'achète après. Oh putain, on va. Oh non, il y a ta tombe, Cyriel. Cyriel, tu viens là, t'arrives? Et j'ai perdu le chemin, je sais pas. Mais non, viens vers moi sur la carte, regarde, je te vois moi sur la carte. Allez, cours, j'arrive, Cyriel. Regarde là où je suis. Wow, t'es passé par ailleurs. Wow. Je sais pas par où t'es passé, mais je. Je comprends pas. Non, tu t'es trompé de passage, ouais. Oh, il y a 10 000. Dépêche-toi parce qu'il va faire nuit. Mais tu les ignores. Ils sont lents de fou, les blobs et les drogues. Viens vers moi. Vers là où je suis, là. Ouais, elle a fait couper. Flo, derrière toi, je suis. Ouais, bien. Léo. White serait arrivé, est-ce qu'il vient de m'arriver?
arrivé, là t'aurais eu le droit de t'énerver. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand c'est la 15ème fois de la journée. Ah, ah ça ouais, ouais, c'est bien ce qu'il me disait. Putain, c'est chiant de fou cette co là. Vas-y, récupère ton stuff vite. Et on rentre parce que là il y a les spectres qui vont sortir. Imagine ce que j'aurais fait aujourd'hui si j'avais pas planté 46 fois. Moi tu perds 5 minutes. Tiens, tiens, Cyriel. Tu t'es donné une potion. Tu fais tab et tu fais clic droit dessus pour la consommer. Comme la nourriture en fait. Ah bah Pique, je peux dire qu'il est bon ce jeu. Je te montrerai un peu ce qu'on a fait après. Et tu verras que c'est pas mal. Après tu lui montres ce qu'on a fait une après. Ah mais c'est ça que je comptais lui montrer. Hein. Tout ce qu'on a fait toi. En une après moi. Ah ouais, tu vois. Comment elle s'appelle la ville là. La ville. Et c'est Cap Dag. On est en train de la refaire. On est loin de Cap Dag quand même. C'est pas Cap Dag mais Cap Dag. Dans tous les cas on est loin d'avoir une ville pour le moment. Pour le moment on a des fortifications et un bâtiment central et beaucoup de bois. J'ai l'impression que c'est pas gentil ça. Oh tu le niques toi par contre. Oh t'as failli te faire flinguer. Quand tu vois qu'il va taper, tu maintiens le clic pour te protéger et tu fais espace, ça te fait faire une roulade pour esquiver. Son arme, elle fait plus de dégâts que la sienne. Ouais, elle est à deux mains donc elle a moins de protection mais c'est pas grave, elle fait plus de dégâts. Il y a des trucs pour faire, vérifie des fois avec la lampe. Avec la lampe torche. La... ouais la lampe torche. La torche, tout court. On parle de son ancien. Après j'ai un truc, c'est une lampe torche. Je suis allé poser tout ce que j'avais sur moi, je suis trop lourd. J'avais tout le faire. J'ai dit à Pic il a 12€ le jeu. Il est à 12€, il fait 2Go. Ah c'est vraiment pas lourd. Ah il fait nuit. Putain j'ai la haine. Commence. Ouais vas-y, commence. Oh non, ça recommence, non. Oh merde, si je frappe le mur moi aussi. Je vais péter mon crâne. Mais t'as même plus besoin de moi tellement t'es fort. Moi tu vois. Ouais ton arme elle est puissante hein. Attends, je prends. Putain, je vais péter mon crâne sans déconner. Oh putain. Mais elle attends, faut que j'aille te poser, j'ai eu des super loups. Ça y est, c'est bon. Pourquoi? Parce que moi je te vois même pas. Non. Ah ouais? Moi je le vois même. Et moi je le vois qu'il est même pas sur le jeu. Comment ça? Et bah, moi je suis plus en ligne. Attends, ah attends, je vais regarder la carte. Ah ouais. Mais ça, en fait, Sako, elle fait des feintes là, c'est chiant. T'es où, Cyriel? Je suis allé poser les objets. Ah, nickel. Là-bas, y'a rien. Là, y'a rien. Okay. Et là, il faut. Là, faut casser là. Non, non, ça sert à rien ça. Ah bon? Ouais, c'est quand c'est bloqué, vraiment. Ouais. Et là, c'est la même. Ah, j'entends un bruit. Oui. J'ai entendu quelqu'un rôter. Oh, Lucas, tu casses les couilles, putain. Hein? Tiens-toi, putain. Mais c'est pas lui. Je parle sur le jeu. Ah, bah, sur le jeu, ça rote, c'est pas possible. Ouah, Lucas, il a pris des balles perdues pour rien, là. Ouais, j'entends rôter. Pour les expériences, tu mettais à rôter à chaque fois. Excuse-moi. Il y a des trucs ou pas ici? Attends, qu'est-ce qu'il y a là dans le coffre? Partout, ouais. Ah, il est parti. Il va prendre un peu. Oui, je sais. Ah, faut que je t'aide peut-être. Je veux de l'aide? Ah, mais la porte. Tu me frappes.
Putain, mais sérieux, arrête de pousser, c'est chiant. Mais je suis pour rien. Mais tu aurais pu passer à gauche, t'es passé sur moi. Tu fais exprès ou quoi? Parce que j'avais envie. Ça devient, tu sais, de viens m'aider, c'est bien. Ça sert à rien ce que tu fais. Cyrielle, c'est le moment. Merci. J'allais crever là, Cyrielle. Ça sert à rien les arcs sur les drogues. Ils en ont rien à branler en fait. Ils sont ultra résistants ces machins, c'est un truc de fou. Non, il y a même pas de boue là-dedans apparemment. Et là Léo ? Ouais. Ah bah y'a un avec ce Benjamin dans la tête. C'est clair parce que des fois tu vois dans les petits recoins là comme là, il y en a un peu. Et alors on a pas besoin. Si parce que ça en fait c'est dedans qu'il y a le fer là dans les trucs en fait. C'est pas que des trucs qui bloquent, c'est. Les tas de boue, il y a le fer dedans. Si à gauche. C'est je crois qu'il y a rien. Hein. Enfin, laisse-moi aller vérifier. Rien. Mon perso il est vraiment pourri en mal. Ouais, ça peut aller vers le mur aussi, ça le chien. Du calme. Du calme. Hein du calme, du calme, ouais. Parce que... du calme. Non, y'a rien. Parce que non. Sinon c'est fragile pour ton petit cœur. Il vient d'essayer, il ne reste plus que la zone à droite là. La zone... Yes. Je pense que t'auras ce la meule. Oh, pas mal là. Alors Flo, hein. Ah Flo. Ouais. Nickel. Ah Flo, je vais poser les objets que j'ai eu. J'en ai eu pas mal des trucs. Salut, c'est moi. Choupi. Faudra juste me la refiler vite fait la meule après par contre. Que j'en recrafte pas 40 000 quoi, parce que ça coûte la peau du cul. De quoi? Les meules. On appelle les trucs qui te permettent de construire en pierre là, ça coûte la peau du cul. Bah hein. J'ai eu chaud au cul je crois. Hop. Ah tu l'as pas, vas-y go sortir. Regarde ce qu'il y a devant moi. Je vois pas, derrière toi. Oh putain. Non mais en fait tu prends pas de dégâts je crois. Tu peux mettre dedans, il y a la place. Il y a plus de place maintenant. Quand il va venir, il va aller. Ouais. Cette crypte m'a l'air pas mal en vrai en termes de stuff. Hein. Il y a pas mal de choses dedans. On a le monopole pour la pierre. Ah, ça par contre, j'en suis pas sûr. Ah bah là, j'avais jamais visité la réserve minérale. Bah non mais nous, mais c'est bon Léo, c'est bon ce que j'étais. Un endroit à faire une carrière. A mon avis il y a des monstres là derrière, ça va être bien. On va faire une carrière. Non merde, j'ai encore posé mes champignons, fait chier. J'en retrouverai. Mais tu trouves pas qu'on dirait des princesses qui passent en courant? Comme des petites princesses, wow. Aïe, aïe. Fais gaffe, ah, j'ai pas mon truc contre le poison, putain. Il y a deux points de vie, dommage qu'on un collab. Il y a deux points de vie, il y a un côté farmé et l'autre côté combat. Oui, vas-y, fais le savant quand tu peux là, oh. Enfin, ça m'énerve, par contre, cet écran qui s'éteint au bout d'un moment. Ouais, je suis pas encore sur le point de rattraper ma partie solo, mais on y arrive. Hop là. Dans ma partie solo, il faudra vraiment que j'en pense. Ah là, on peut descendre là. Oh, Flo, il y a un énorme que j'ai dans le marécage. Oh, c'est insane. Ça paraît gros depuis la base. Ah bah ouais, non mais oui. Nickel. On dirait qu'il y a la dynamique qui est passée par là. Ah ouais, c'est énorme. Là, le village, on va pouvoir l'étendre, je te le dis. Putain. Oh. Fais gaffe, Cyril, parce qu'il va sûrement y avoir des spectres.
Ah. Je suis foutu alors. Tiens, regarde la charrette si tu peux pas y poser des trucs. Pour être plus léger. Là, le jour là. Le jour se lève. Ok, ouais, mais le problème, j'ai. Bon, je suis inquiet moi parce que les spectres, le problème c'est que. Des fois, même après là, ils continuent à. À flotter dans les airs comme des chiens. Allez, on y va. Allez, on y va. Jouer, est-ce que j'ai bien barré la crypte? Oui. Plus vite on est rentré, mieux on est. Attends, je me mets devant toi pour te protéger, même si je suis plus nul. Ah oui, me protéger de rien. Quoi. Ouais, voilà. Ok, j'adore. Faire le guet en fait. Ah, mais je me mets devant, mais je connais pas le chemin. C'est pas bon. Je me suis fait chier à faire un chemin quand même, tu vas pas me dire que tu le vois. Ouais, pas. Mais il est super mal fait. Non, arrête. Porte rouge là. Oh, il est posé sur moi. Ouais, là. Hop, je suis le GIGN. Hop là. C'est bon. Manifestant re-neutralisé. Le GIGN. Non, mais je sais pas par où c'est. Et je préviens qu'aucun manifestant n'avait été maltraité pendant ce tournage. À gauche. Ouais, à droite. Je savais, j'ai vu l'intersection, je me suis dit elle va tourner à droite, c'est sûr. Elle tourne à droite direct. Allez, avance. Plus vite, esclave. Tais-toi. L'esclave, il est mieux équipé que toi. Violet qui vole. Oh, non, je rigole, n'aie pas peur. Non, mais c'est même pas violet, c'est bleu. Après, il y a les une étoile ici. Je sais pas de quelle couleur ils sont. J'en ai c'est jamais vu de spectre à une étoile. Non mais quand même, c'est réel. J'ai l'impression que je suis jugé. J'entends des bruits bizarres. Jeanne, c'est toi? Qu'est-ce que c'est? Entrez, monsieur. Je ferme derrière vous, hein. Hop, hop. Alors, on va décharger tout, non? Hop, moi je vous laisse. Je reviens, je vais faire le suivi. C'est quoi ce bruit? C'est moi qui me transforme. Si jamais Pic, tu veux aller jouer, il y a les gauchis qui vont peut-être. Bon, il est sans sucre près du dracard. Allons pas attaquer ça. Avant d'attaquer, dès que je vais monter dedans. Alors, on va mettre le fer dans le dracard. Le fer dans le dracard. Ouh là, il y en a des campantés. Maël, en revenant, tu peux faire un coffre. Maël. Ouais, je te fais ça. Ah, nickel, merci. Mais putain, mais c'est un truc de malade. Hein. Oh. On va prendre tout ce qui est bois parce que c'est lourd. Les rubis, les perles, les chaînes, toutes importantes. Ça, on met dans le navire, on met les flèches aussi. Est-ce qu'on peut y mettre d'autres? Si tout le reste, on transporte pas tant que ça.
c'est bon, Léo. Nickel. Au moins, si on a trop plein de cailloux. Attends, attends, je suis encore sur ma chaise. Mais c'est moi ou t'es en train de faire un tour dans la maison? Ouais, ça va, t'as vu la gueule de la maison, elle est à un endroit où des fois quand il y a des orages elle est totalement inondée. Si tu veux aller sur Fort Thunder, il reste peut-être une place parce que je vois qu'il y a, il y a Joe qui est parti, il est parti manger. Merde. Oh, rate-moi ça si c'est pas beau, sans déconner. C'est réel. Merde, j'ai oublié d'apprendre le russe. C'est quoi ce qui vous, tu devrais venir voir chez nous, c'est... Vas-y, viens, on va voir... je sais pas si t'as vu le... Non, mais... C'est quoi? Non, mais là, je peux revenir parce que t'as vu maintenant, tu m'en fais. Vas-y, on va y aller. Parce qu'elle nous a aidé, mais là... Là on est allé fois 3 morts. Bah là il est énorme, on est un peu avancé. Ouais il est bien, ouais, ce bateau. Le dracar est vraiment impressionnant. Dès que tu nous ramènes une meule, je te fais un port mec. Hein. Vas-y. Peut-être pas en priorité non plus, mais t'auras un port. Non mais lui à chaque fois il veut construire des trucs de fou, que ce soit sur Minecraft ou autre. À chaque fois il lui faut un château. Après c'est moi qui build hein, sur Minecraft. C'est vrai. Ouais, mais ça ramène du contenu dans tous les cas, même si j'ai les cités au moins. Oui. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut des projets. Des projets. Projets, ouais. Bah, non, c'est Skull and Bones. Non, c'est pas Skull and Bones ça. On a charbonné sans ton aide pour le coup là avec Maël hein, sur notre base actuelle. Et là on charbonne encore. Hein. J'en ai même pas si t'as besoin de beaucoup de pierre. Bah la pierre on en a mon pote. La pierre il y en a de partout, par terre. Hein. On est monopole. Ça coupe, ça coupe. On a du chemin à faire, oui je sais, j'ai donné... Oula. Faire une base énorme. J'ai donné des noms RP sur ma carte, mais c'est parce que j'aime bien avoir des cartes nickel. Alors que moi, ma carte, vu que j'ai la flamme, à des grottes... Et puis on a une espèce de... On fait un minimum de RP sur le jeu. Pas un minimum, j'ai bien. Moi, je les emmerde. On n'est pas full RP, mais on donne des noms à nos bases, etc. etc. On donne des noms à nos bases, on croque. T'as perdu de la vie là, sérieux, c'est pas ça. Oui, il se pourrait que. Une sangsue mais becqueté le cul avant de passer sur le bateau. Ah. Je reste stylé. Filé. Je pense que bientôt on aura fini avec ce marécage. On aura exploré toutes les cryptes, pété tous les monstres, pété dans tous les spawners et machin. Parce que là je vois qu'on a exploré une bonne partie du marécage et on arrive vers la fin. Loin. Ouais, mais la map elle est immense par contre. Ouais la map elle est immense. Est folle. Est immense. La map on l'est jamais on explore toute la map. Hein. Non non c'est clair. Elle est très 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 grande. Sinon faudrait vraiment être des dizaines sur le serveur et avoir des explorateurs et tout. Ah ouais mais moi j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux que ça. Ça serait tellement stylé d'être une dizaine. Vraiment que tu passes un vrai serveur. Ouais, j'en ouvrirai un, j'en ouvrirai un. Là, j'ai pas encore les fonds, mais je compte en ouvrir. Un vrai serveur connecté H24. D'ici là que j'ai un PC et
Et une un bot, non, un PC et un salaire, t'en fais pas que j'investis dans le projet moi aussi. Parce que je sais pas toi, mais un vrai serve actif, ça chauffe là. C'est ouais, en vrai, ça donne envie. Ouais. Non, Cyriel, non. Non, Cyriel, non. J'ai rien fait. Et oui, oui, bien sûr. T'as rien fait, t'as jamais rien fait. Je sais que le trajet est long jusqu'au nord, mais. Au nord, mais. Mais dis-toi qu'on aurait pu faire encore plus loin là. Faudra qu'on voit Cyriel s'il passe le canal celui-là. Ça m'étonnerait. Oh, mais... je pense pas. Et parce que vous avez. Ni Maël ni toi, Léo, vous avez vu, mais il y a un endroit où on a coupé un continent en deux pour pouvoir passer en bateau au travers. D'accord. Plus au nord, beaucoup plus au nord. Assez loin de vous. Parce que sinon, il fallait faire tout le tour pour rejoindre une certaine mer. C'était un peu long. Donc on s'est dit, on va rendre ça moins long. Nous, on coupe pas le continent en deux, on l'aplanit en deux. Si jamais il y a un serpent de mer, Cyriel, on se lève et on le démonte. J'ai que des flèches enflammées, mais si, je t'ai dit que c'est bien. Va chier. Va chier, oui. C'est un truc de fou comme les chiens de cette nuit. Regarde, ici on pourrait vu que un peu plus creusé, on pourrait faire l'hôtel de ville en France. Hauteur. Le problème, c'est qu'il faudrait voir si on peut. Si là il y a une sorte de faux plat, tu vois, pendant une bonne distance en bas. Ouais, mais là c'est trop petit pour le moment. Faut qu'on voit dans tous les cas après. Si ça monte, on rehaussera un peu si ça remonte après le terrain. Viens, on les vole. Viens, on les vole. Non. Tu vois, on est en alliance. On est en alliance avec rien. Ouais, alliance. Alliance commerciale et militaire. Allez, on y est presque. Là, il y avait des rochers là. Ouais. Non mais t'inquiète, il est solide le navire, on peut s'en prendre énorme rocher là. Alors, ouais, on a perdu même pas un quart d'heure là en démontant les rochers. Il a beaucoup de villes, Drakkar, et en plus on peut planer. J'ai vu des vidéos où ils avaient mis des boucliers dessus. Ben oui, les petits trous aussi, le ça. Je crois que c'est ça. Il faut que ça, vas-y. Quand il y a force GIGN, il faut qu'on. Flo, tu galères à monter en vrai. Ouais, un peu. Regarde tout le bois qu'on peut voler. Mais ah là, ouais. C'est que du bois cassé. Ouais. Oh putain. Regarde, le bois il est cassé là. De quoi? Là, regarde. Quoi? Viens réparer. Il y a pas besoin de réparer, Cyriel. C'est normal il est que ça verdisse un peu, mais c'est pas grave, c'est récupérable toujours. Ah ouais, non mais comment là c'est. C'est quoi ça? On le mais récupère regarde comment ce qu'ils ont. Non mais regarde là-bas. Arrête de taper, Cyriel. Tu veux savoir comment on récupère, comment on leur vole le bois? Arrête, Cyriel, non. Qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là alors? Moi je me casse, je fais ma crise d'adolescence. Ouais, fais-la loin de moi, t'as raison. Eh ben. T'en penses quoi? Mais c'est quoi le projet là? Mais c'est tout en planif. Oh, y'a un troll! Agrandir la base. Oh, Cyriel! Troll, à l'aide! Elle est où?
Flo, viens, viens, venez vite. Tu peux utiliser votre tablier vite fait là. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Elle est où ta femme? Elle la ramène, elle l'a ramenée, elle l'a ramenée. Il y a un troll là-bas, venez. Allez, je viens. Pour le faire venir. Non, 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 on le fait pas venir, on le laisse loin par contre. Mais il est juste à côté de toute façon. Oui, 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 non, mais il va rester loin, je te le dis. Attends, hein, j'équipe mon arc. Tu mets quoi là? Oh putain, toi t'as un arc en bois de mes couilles là. De quoi? Arc. J'ai pas compris. Ouais, moi j'ai mon petit arc de base. Ouais, moi aussi. Il a pas aimé. Il a pas... Ouais, il est pas content. Ouais. Léo, tu vas te faire buter. Ah, j'ai parce plus que de moi vie, je fais. Peux pas t'aider. Je me casse. Oh l'enfoiré. Elle m'envoie sur un troll, mais elle a plus de vie. Flo, tu viens récupérer les conneries de ta copine ou pas? Bah ouais, mais il est nul celui-là! Oh là là! J'arrive, j'arrive. Bah c'est bon, on va l'avoir en fait. Il a plus de vie. Ouais, il est pas si fort que ça en fait. Bah non, c'est un vieux troll. Par contre, si j'ai pas de stamina, je peux pas faire grand-chose. C'est bon, on l'a eu. Putain, t'es mal, c'est fouille. Tiens. Oh, y'en a un, il est né, un dinguerie. C'est un chien. J'ai récupéré toute la peau. Ah, elle a tout récupéré, cet enfoiré. Ah ouais. C'est moi qui l'ai trouvé en même temps. C'est peut-être toi qui es là. En fait, ton équipement... Ton équipement full fer, toi? De quoi? Quoi? Monte voir ton équipement full fer. Oh, c'est stylé. Hein. Ouais, ça brille. Hein. C'est stylé. Ça manque juste d'un espadon et d'un bouclier en moins, mais non. Bon, du coup, moi, je retourne à mon job. C'est elle, reviens sur le bateau. Cyriel, si tu touffes au bois, je t'excise. Oui. Avec ton rire de merde. Flo, 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 je vais mourir. Prends l'échelle. Je vais mourir. Putain, si tu meurs, t'es nul. Allez. Elle sait pas prendre une échelle. Il y en a des deux côtés, Cyriel. Ah bon? Mais oui. Oh là la pauvre. C'est pas la chips la plus consciente du paquet. Est-ce qu'elle nous a réellement volé ou c'est pour nous? Elle a volé quelque chose. Flo. Non, Cyriel. Flo, Flo. Ne dis pas que c'est tombé du bateau. Qu'est-ce qu'elle a volé et qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Rien. Flo, est-ce que c'est parti dans ton inventaire allez, ou est-ce que c'est allez. Tombé sous le bateau? Mais bien sûr que c'est dans mon inventaire là, les 50 de bois robuste. Putain, bah oui. Oh putain. Elle a tout compris. Elle a fait un ah, putain. Malice casse. Tu ramasser du bois pour le village pour qu'on se le fasse croquer comme ça. Hein. Pour le village. Elle l'a pris en plein milieu. Bah oui, oui, pour le village, c'est pas pour toi. Mais moi aussi, c'est pour le village. On vit dans le même. Mais y'en a même pas. Mais non, pas du tout. On veut expandre le village qu'on a déjà en train de, qu'on est en train de faire. C'est absolument pas grand faire que tu viens de détruire leur bateau. Arrête. Mais Florian, mais qu'est-ce que t'as fait? Je leur ai pas détruit le bateau, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu l'as pas fait. Non, tu lui as encore mis des dégâts. Ouais, mais 3 dégâts. C'est parce que c'est. Y a pas de force. Y a pas de force pour ça. Lui, c'est pas volontaire au moins. Ah bah oui. Si, c'était clairement volontaire. Comment il a juste. Cyriel, t'es pas. Arrête. Cyriel, t'es vraiment. Cyriel, t'es pas fichu. T'as repris un sur le côté, j'aurais pas vu. Qui c'est qui. Attends, elle a pris où? Elle a pris en plein milieu. C'est qui a un trou en plein milieu. Mais quel qui? La pile là à gauche. Donc tu rentres à gauche. Par contre, ouais, ouais. Par contre, du coup, y en a un qui va prendre le portail quand vous arrivez et qui va. Bûche. Mais nous, on a la maison de bûche. Pourquoi ils utilisent pas la maison de plein de bûches là qu'on a en haut? Genre la cabane à bûche. Parce que t'es bête ou quoi? Mais quoi? C'est notre réserve. Hein. Ah, donc en gros, ils peuvent pas nous voler. Ok, c'est à nous les rats. Ouais, mais du coup, toi, si tu nous rends pas en fait, si tu nous rends pas, nous aussi on va vous voler.
Et après, Flo, il va. C'est moi qui l'ai, c'est Flo. C'est ta faute. C'est Flo qui l'est, c'est pas moi. C'est, ouais. C'est Flo qui l'est. Mais c'est... tu me les as jetés dessus aussi. Non, c'est toi qui as couru dessus une fois que je les ai jetés sur le bateau. Parce que sinon ils allaient couler ou j'en sais rien moi. Mais oui, excuse. Allez, allez, sors du bateau. Donc je t'en prie. Voilà, merci. Cyril, ramène une charrette. Cyril, ramène. Mais y'a pas de charrette. Ah bah oui. Ramène une charrette ici, je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé s'il y avait une charrette ou pas, je t'ai dit la ramener. Mais c'est quoi? Et Lucas, il y a même plus là. Elle m'énerve, hein, les nids, m'énerve, hein, les nids. T'as marre de terraformer un peu, toi? Un petit peu, mais ça va. Mmh. Ouais, peut-être que moi, ça me saoule parce que je fais ça depuis toute l'après-midi. Ouais. Je fais ça, puis après, on va commencer avec l'huile. Oui, il n'en reste plus qu'une, hein. Il y a quelque chose. Ouais, allez, dépêche-toi, Cyril, arrête de parler, dépêche-toi, s'il te plaît. Flo, tu nous as pas raconté. Non, mais là, il n'a pas encore craft. Il faut qu'il fasse fondre le métal et tout là pour moi. Cyril. Après il pourra le craft. S'il te plaît, je peux plus bouger. Moi je dis je vais chercher du bois, mais du bois on en a assez. Nickel. Nickel. Mais il est unique, ça. On peut. On peut essayer de faire une plantation, mec, après sinon. Waouh, mais Cyril. Ah. Bah allez, vas-y, regarde là l'autre con, premier truc à faire, le froid l'eau la charrette. Putain, mais c'est un truc de fou. Ça me rappelle quelqu'un tout à l'heure, ça. Mais même conduire une charrette, ça a l'air compliqué, con. C'est quoi ce bordel? Elle est aussi intelligente que Maël, faut croire, hein. Ah. Là, il m'a fait le coup. Elle a lâché le truc, il avait de l'élan, il est parti droit dans l'eau. Et là, elle boude, là, elle boude. Elle sait qu'elle a fait une connerie. Moi, je suis parti en drift. Boude, t'as raison. Vous verrez bien sur Salon de Forest. Ah ouais, là c'est vrai. Ah ouais. Moi je l'ai. Il est en train de. Maintenant elle casse du mob. Tente. Elle casse du monstre parce qu'elle est contente là. Ah non, elle galère avec une. Moi, je vais arrêter un but avec ma tête à l'île. Oh, un chaman. Oh le bordel devant la porte là-bas. Je suis en train de faire un peu de ménage devant chez toi, mec. Nickel. Elle est où là? Elle est devant chez toi aussi. Et elle fait du ménage aussi apparemment. Il est garé où le dracar? Il est garé où? C'est... Attends, c'est tiens. Il est en double tiens ton stock de bois. Ah merci, c'est gentil, mais je m'en battais un peu les couilles en vrai. Hein. Bah dans tous les cas, mon inventaire est plein. Bon. Bah ça fera du charbon. Bon. Ah, du charbon. Oui, bon, on dira que ce sera pour la meule. Ouais, c'est ça. Oh, j'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter. Tu veux que je te pousse au cul? Ouais, en vrai, ça pourrait aider là. Ça pourrait aider là. Je suis à fond là. T'as eu l'effet un peu aussi, toi? Ouais, wow, mais y'a combien dedans? Allez, avance! C'est bon. Ouf. Attends, laisse-moi regarder, y'a combien dedans? 1745. Ah ouais, en effet. Pour décharger ou quoi? Non, je décharge tout là. Ça marche. C'est rentable les ruches comme ça? Oui, ça donne du miel, ouais, c'est pas mal. Masse miel. Et le miel, tu peux faire de la cuisine avec ou tu peux juste le manger comme on ça? On peut faire des hydromels, de la cuisine, le manger comme ça, tout. C'est pas mal de choses. Ouais, c'est pas mal quand même. T'as les torches devant chez toi? Non. J'ai pas pensé. Il y en avait à un moment, mais je les ai enlevés parce que là, je vais refaire toutes les ruches, je vais les bouger ailleurs celles-là. Ah ouais, je vois. Parce que là, ça prend trop de place pour les charrettes, c'est pas pratique de les transporter là-dedans, faire des demi-tours, etc. On avait prévu de faire quoi ici? Que c'était réformé? Là, ici, c'est là qu'on garait les charrettes. Il y en avait deux avant, mais maintenant il n'y en a plus qu'une parce qu'il y en a une, je l'ai ramenée au marécage. Ah ouais. Ouais, ouais, il y avait les deux. Du coup, charrette. Le bateau ça a fonctionné. Le bateau. Bateau charrette, ça fonctionne? Non, j'ai pas fait comme ça. Ah ok. J'ai juste cassé la charrette et je l'ai ramené là-bas. Ah ouais, mais t'as pas essayé encore du coup de faire une petite rampe pour mettre.
Faudrait qu'on essaye ça, parce que ça m'a l'air intéressant. Ouais, moi je pense que c'est possible en vrai. Pour pas se faire. Ça passe à travers du bateau. Attends, ah oui, t'as sur essayé, le. Toi. Sur le Drakkar. T'as essayé sur le Drakkar. Ouais. Sur le gros. Oh putain. Non, c'est faux. Ah, c'est une connerie depuis tout à l'heure. En fait, elle nous raconte des sornettes. Des sornettes. Les sornettes. Coucou monsieur. Vous avez un petit creux. Eh ben, on va manger. Vous êtes très beau monsieur. Tu faisais de le dire. Aïe, aïe. Vous y allez fort. Je crois qu'elle était en train de flatter un monstre et qu'il n'a pas apprécié. Le monstre a fait casser la raconte celle-là. J'essaie de flatter avec lui mais il veut pas. Aïe. Elle essaye de flatter avec quelqu'un d'autre que toi. Aïe. Il a à peu près la même tête. Toutes les mêmes. Oh, il m'a chargé l'enculé. Oh bah j'ai dû le tuer. En même temps, j'avais trop de mouettes. Y'a plus de sanglier. Putain, tu penses que j'arrive à choper une mouette à l'arc? Oh non, j'ai plus de flèches. Les mouettes, c'est fait exprès pour avoir des plumes. Ouais, je sais. Oh, petit sanglier. Oh, coucou. Ah, moi, j'ai décapité le dernier sanglier que j'ai vu. Moi aussi, t'inquiète pas, il s'est pris une autre. Dans le cul, là. Les potions, ça arrive. Alors, c'est pris le truc dans le cul, pardon. Et sur la côte, ouais. Je lui ai mis ma lance, je lui ai planté dans le cul, il est mort d'un coup. Oh non, putain, qu'est-ce qu'il y a des bâtards? Il y a un gros méchant, un loup. Je vais essayer de le séduire. Si ça marche pas, va falloir que je. Coucou. Pourquoi elle essaye de séduire tout le monde, elle? Coucou. Ça me paraît bizarre, ça. Ça te paraît bizarre? Ah ouais, putain, ça comment bizarre, ça ouais. J'aime pas les hommes violents, moi. Dégage. Des folles pompiers. Et pourquoi la porte de la maison elle a disparu? Quelle porte? Putain. Ah, elle est là. Pourquoi il y a une pierre? T'inquiète. Alors que toi, la pierre. De la porte. Qu'est-ce qu'elle fait, la folle? Je l'entends taper à l'extérieur. Ça me fait peur. J'ai peur! Au secours! Ne t'inquiète pas! J'aime! Et après, vu ma carrure, c'est moi l'homme hein, dans la relation. Bon alors là. Ah si si. Bon alors là. Dit. Bon, mais c'est elle qui a le kiki. Ouais, voilà, tout à fait. Oh putain! Oh, il met les badges vertel. Ça plaît. Ça lui irait bien. Arrête toi. T'as bien le temps à monter au cerveau. Oh oh, mais vous avez fait une plantation là, mais c'est génial ça. Mais rends-moi les graines hein, que je plante. Reste dans le jardin mon chéri, on a un travail. Hein. Mais rends-moi les graines. C'est la cuisine après. Mais connasse. Mais j'ai pas pris de graines, j'en ai pas sur moi. Les graines de carottes là. Alors, non, j'ai pas de carottes. Les graines de carottes, moi. Mais t'en as pas. Ah si, bon j'en ai 3. Allez tiens, je te les redonne. Ah ouais, voilà. Je les ai mis à l'intérieur, elles sont sur les marches, elles font des brillances. Je plante d'une manière un peu bizarre, je sais, mais bon. Ouais, mais. Bizarre. À la recherche des oiseaux. Pourquoi l'autre il cherche des oiseaux? Cui. Tu les imites aussi bien, quoi. Cui. Tu me les as foutu les graines. Oula, oula, il est malade cet oiseau là. Tu les as mis où les graines, Cyrielle? Mais sur les marches dans la maison. Ça te paraît comme un. Merde. Oui, c'est peur. T'imagines, tu regardes par la fenêtre, tu vois un type comme ça avec un arc devant toi. Mais lâche pas les trucs comme ça là. Putain, mais t'es chiant, là. Mais toi, tais-toi ou. Trop chiant, c'est un truc de fou. Fais-moi une armure. Allez, viens, on dort. Oh, pourquoi on peut pas dormir? Mais je veux dormir. On en est où de la meule? Ça fond, ça fond. Ça marche. Ouais, ça fond bien. Et quand ça fond, ça fond. Tais-toi, mais pousse-toi. Mais pourquoi t'es tout le temps dans mes pattes? Casse-toi. Mais parce que t'es gros. Mais putain, c'est un truc de fou. C'est un meuble Ikea. Dans un carton, c'est clair. La galinette. Le carton, t'as tellement la flemme de monter le meuble que.
Tu te fais chier, tu l'as dans les pattes, tu sais plus quoi en faire. Oh tiens, toi je vais te tuer à coups de pied. Quel nulos alors. Viens, on se bat, en plus t'es moche. J'aime pas les gens moches. Oh. T'es moche, tu pues, t'es pas beau. Je viens de buter un sanglier à main nue, maintenant c'est à ton tour. Ah mais elle se fait chier à ce point-là, au point de buter des animaux à main nue. Yeah, je suis un mal alpha. Oula. Oh là. Malade alpha, à la limite, mais... Malade mental. Toi t'es toi, hein, parce que sinon je te mets les portes jartel. Mais tais-toi. Le cerf à main nue. Oh aussi. Le gremlin, ça tu te calmes s'il te plaît. Il fait grave, tu te remises à force avec ces conneries. Elle commence à me péter les roustons, c'est ça que je veux dire. N'a pas peur de moi, c'est c'est malade. Elle a craqué. Ah, ce soir elle est folle. Ah non, il faut que je te ramène ça en bateau. Qu'est-ce qu'il fout chez nous, notre SDF là? Jacob là. Il est où? Il est parti, il était chez nous. Je peux pas le voir, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Il est en haut, il nous vole des trucs, Flo. Fais gaffe, c'est un SDF ou quoi? Mais t'as fini de prendre la croix du sud là? Mais si il fait. Dans ta tour de guet, ça va être compliqué. Mais il est accroupi le camp, mais. Il voit pas qu'on le voit sur la carte? Mais je suis pas accroupi. Mais elle est folle, elle, hein? Mais on te voit en fait. Ah ouais? On te voit en fait. Ah ouais? Mais il est où ce couille? On me voit! T'es sûr? Mais on me voit! Il est où ce couille? Il est là, il est dans la tour. Il est là. T'es venu en bateau, Léo? Mais y'a personne. Mais y'a personne. Eh vas-y, tu ramèneras ton bateau. Il est venu en portail, hein. Ah, il est venu en portail, c'est pour ça que j'ai pas vu. Il reviendra en bateau. Moi je prends pas le bateau, j'en ai marre. Elle passe pas dans le portail, la meule? Et non, parce que on peut pas la faire passer en montée, il faut la faire passer en pièces détachées. Et pièces détachées, dedans il y a du fer. Eh ouais, mais attends, en fait, dans tous les cas. Ah oui, donc faut que je ramène mon bateau. Et ensuite que tu viennes avec moi sur le bateau. J'ai bien compris. Non, parce que du coup, tu sauras la fabriquer la meule. T'es sûr? Mais oui, dès que tu découvres le lingot de fer, tu sais faire la meule. Je te le mets où là? Par terre. Alors pour la. Ok, vas-y. La meule c'est 2 de fer, 10 de bois et 4 de pierre. Nickel. Alors du coup normalement là t'as débloqué plein de trucs en prenant les lingots. Ouais. Ça s'arrête jamais normalement. Mais... Et ça va me foutre le seum de pas pouvoir tous les fabriquer d'ailleurs, mais bon. Oh mais ça viendra. Oh mais ça viendra. Donc 10 de bois, 4 de pierre et 2 de fer. Ouais. Cyril, il faut faire du charbon, il nous faut du bois. Il faut fabriquer des flèches en bois, en silex si t'as le temps. Mais... Bon. Ok, c'est bon, j'ai du bois. Je reviens, mais je ne fais que passer. Il faut que j'aille récupérer le bateau. Parce que j'ai pas de tracker, c'est vrai. J'ai un peu le seum, mais j'ai pas de tracker. 25 de bois pour faire une meule. Pourquoi Cyrielle elle était chez moi, elle a fouillé dans un coffre, elle est repartie. Cyrielle arrête. Oh non, ça va me casser les couilles, gros. J'ai rien fait. Oui bah oui. Si tout le monde souffle en entendant ton prénom, c'est pas que t'as rien fait quoi. Il faut que je fasse quoi du coup, Flo? Tu m'as demandé du bois pour faire quoi? Pourquoi y'a un poisson dans mon bateau? Appartement à Mora, ça veut dire quoi ça? Moi aussi je suis là. Oui, mais t'entends pas, ça sert à rien. Ok. Ça, c'est non. Ah, je vais me noyer. Ah non, c'est bon. Allez. Putain, pourquoi il a une échelle que d'un côté lui, culé?
Ah, je peux pas faire des flèches, il me manque du silex et des plumes. Ouais, mais là, Cyril, on peut pas améliorer plus sa forge que là, ce qu'elle est améliorée, elle est level 7. Ouais, bah moi je vais tuer des pierres. Je suis passé niveau 6 tout à l'heure. Hop. De quoi? Quand je suis passé tout à l'heure, elle était niveau 6. Ouais, ouais. Je viens de rajouter un truc là. Ok, ça marche. Comment ça se dirige un bateau? Oh merde, mais pas manette. En fait, ce qui me fait chier, c'est que je sais pas comment baisser ma voile. Ça marche comme un établi, tu sais, tu le poses, la, le truc là, comment ça s'appelle? Le tailleur de pierre, tu le poses et en gros autour de la zone. Qu'est-ce qu'il a lui? Il parle du bateau. Ouais. Mais de quoi il parle lui? Il parle comment baisser la voile du bateau. Mais je m'en fous moi, je m'en fous de ça. Il te demande. Mais de quoi? Comment baisser la voile du bateau? Mais c'est... Non mais moi je te dis... Je t'ai dit que ça sert à rien parce que au final je suis manette donc Attends, je vais te dire ça. En fait le truc c'est que là maintenant j'ai le gouvernail mais la voile, je sais pas comment je me suis démerdé, elle a... Oh là, peut-être mais elle va me péter les couilles cette charrette de mort là. Casse-toi. J'arrive pas à la monter, à la baisser. Non, X c'est pour me monter dessus et redescendre. C'est qui a coupé plein de bois et qui les a tous laissés en désordre là? C'est horrible. C'est mal ça. Ah mais moi je coupe tout, je déteste quand c'est pas rangé. C'est horrible, c'est ça. Ça va me... Oh là là, ça va m'énerver cette histoire. Ils peuvent pas faire des trucs intuitifs. C'est terrible. Normalement, c'est la touche pour... Ah mais ouais, mais non, c'est pas ça. On incline son voile. Ah, l'inclinaison... Ah mais ça se fait tout seul, ça. Bon, ça se fait tout seul. Oui, oui, ça, t'as pas à le faire, ça. Oui, oui. La voile, elle se met dans le bon sens, dans le bon sens toute seule. Mais dans le sens du vent. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ok. Hitbox, c'est mon pote. Hitbox. Allez hop, c'est comme ça qu'on bosse. On a quand même fait de belles choses ici. Ah ouais, la voile elle bouge. Mais je suis baissé à fond là. Comment ça ma voile elle fait un quart de voile normal? Ah non c'est bon. Ah. Il faut que j'arrange. Dire que je peux buter un arbre maintenant. En un coup? En deux. Deux coups. Quand même pas un. Parce que un en vrai ça aurait été un peu abusé. Non, j'ai hâte quand ça sera un. Est-ce que ça sera réellement un jour déjà? Après je dis deux mais c'est genre deux chaque partie, tu vois. Oh non, j'ai le vent dans le dos sans déconner. Oh, petite mouette. T'es flippante, oui. Oh non, j'ai le vent de face. Ah, c'est ce que je me disais. Oui. Oh là. Il change tous les combien le vent à peu près? Juste comme ça. Hein. Ou c'est long. Ça dépend toutes des fois. Toutes les 15 secondes. D'accord. Bon bah d'ici 1h30 je suis vers chez toi. Tu mets la vitesse 1 quand t'as pas le vent dans les... Ah ouais. Charge ouais, complete. Ouais ouais. Léo, une, tu là-bas rames. Je vois même plus sur la map. Comment on rame? Tu fais droite-gauche? Léo, non, je crois que t'as bugué. Tu mets juste la vitesse 1 et ça rame tout seul. Ah, ok d'accord, deux secondes, si vous me parlez en même temps, oui donc j'ai compris Flo. Et toi tu voulais quoi Maël? J'ai dit je crois que t'as bugué parce que je même plus sur le jeu. Ça il manque quelque chose dans ma gueule. Ah non, ça... Tout date de tout à l'heure. Hein? Mon perso ne rame pas hein, clairement hein. En vitesse 1. Ah vitesse 1 c'est fermé? Ouais c'est quand y'a plus de vol. Ouais c'est quand y'a plus de vol. Ah ouais il rame tout seul, ok nickel. Merci. Ouais, pour moi vitesse 1 c'est qu'il y a un peu de vol quand même. Mais je vais naviguer tout le temps comme ça en fait. Ça va vachement plus vite. Je suis tellement heureuse de découper des arbres, c'est ma passion. Elle est la bête au casque. Encore pire que moi. Non mais c'est vrai, demander à faire un allumé jeu, c'était ça que je faisais. Oh petit.
Nuket. Voilà, comme ça la porte elle pourrit pas. Oh le kiff au retour quand j'aurai le vent dans le dos. Avec ma petite chaloupe là. Qu'est-ce que je suis forte, purée, j'en peux plus. Bon, ça va, hein, calme-toi ça. Maël, je crois que j'ai trouvé l'histoire de flèche en bas de la map et tout. C'est la direction du vent, je crois. Ah, peut-être, ouais. Oui, c'est ça, c'est la direction du vent. Fallait me le demander, les gars. Qu'est-ce que c'était ? Oh oh oh, hein. Comment on fait pour freiner ? On sort du bateau ? Bah tu mets à zéro non. Et ouais tu peux sauter le bateau pour que ça aille plus vite. Ah parce qu'il y a zéro en dessous de... Ah oui on peut carrément ne rien faire du tout, ok d'accord. C'est oh j'arrive pour protéger enfin, les... Le bateau il se peut pas se barrer si je le laisse au bord hein. Non non. Je sais pas s'il est poussé par des créatures à la limite, mais. Normalement, c'est bon, c'est safe. Mais ça va, là, tout le fer qu'il y a là. Ça tombe du ciel le fer, à 18 de plus. Alors. Tu vas pouvoir me faire une arme. On a d'autres choses à faire, sérieux. Ok. T'inquiète pas, tu auras ton armure. Ouais, t'es en 40 ans. Tes outils là, t'as. Ouais non, Non, c'est qui a fait fuir le petit oiseau là? Trop bien. Hop, voilà, un nugget de plus. Pourquoi tu dis des nuggets? Parce qu'une fois que les oiseaux sont plus là, c'est des nuggets. Des nuggets. En plus, c'est mignon le fait que t'aies fait un petit toit. Ouais, c'est pour pas que la porte elle pourrisse. Oh putain, il faut encore du bois. Il y en a en haut, j'en ai mis plein en haut. Il y en a ici. Après, si vous ne volez pas et que vous en avez plus, après on peut faire des commerciaux. Mm-hmm. S'il faut pas nous voler quoi. Ah, ouais, ça serait dommage. Et faut pas qu'on retrouve aussi la personne une deuxième fois en train de voler dans le domicile. Une très bonne, ça peut dire. Ah bon? Non, je rigole, je rigole. Non, je... Avec Tomé en fait, Après, si tu veux, tu vois, mais ce serait con qu'on finisse. PVP, hein. Par briser la. Non, pas en PVP parce qu'on a aucune chance. Par briser l'alliance commerciale. Mais moi, j'ai aucune alliance commerciale avec vous, je suis nul. La seule chose que je fais, c'est tabasser des animaux. Ouais, mais ton mec, il a l'alliance commerciale avec nous. Ouais, mais bon, mon mec et moi. Je suis pas sûr qu'il ait envie que l'alliance commerciale. Je suis pas sûr qu'il ait envie que l'alliance commerciale les finisse. Ouais, mais lui et moi, on n'est pas la même personne. Mais, ah ! Nick, ça peut attaquer mon bateau, sans déconner ? Tout peut attaquer ton bateau. Par contre, dis-moi que j'ai du vent. Je t'en conjure. C'est mieux de rien se rapport à bouffer. Ouah. Elle fait la cuisine. Et alors, Pic, t'es toujours là? Bon, comme ça, ça protège les portes de la pluie. Et elles pourrissent pas. Elles pourrissent pas. Oh, j'ai hâte de pouvoir fabriquer en pierre. Mais c'est eux qui l'ont. Le perso à Maël, il est tellement moche que j'ai cru que c'était un drogue, j'ai failli paniquer et taper en criant. T'as vu le tien ? Ah la foire. Il est où le machin ? C'est sa place, bah oui c'est sa place. Il est là. Là. Flo, je les mets où les flèches que j'ai fait? Les flèches que tu as faites? Ah bah je les mets là, il y a un truc exprès. Dans le flèche. Ouais, près de le... Près de le... Non, on se débrouille quand même, hein. Ouais, on est super fort.
ça c'est grâce à moi. Bon. Oula. Oula là. Ouais, c'est fou de tenir la vie comme ça. Je reviens avec la possibilité de construire des bâtiments en pierre. Ah. Ah c'est vrai, on peut construire des bâtiments en pierre maintenant. Mais oui, c'est réel que j'en ai fabriqué en solo. Mais oui, mais je savais pas qu'on y était arrivé. Maintenant, là, t'avais les matériaux pour. Bah, quand même. Fer. Attends, je suis full fer. Donc évidemment. Le seul problème, c'est que si vous vous l'avez déjà ou t'as préféré privilégier notre village. D'abord, je vous ai donné le truc, vous nous le rendrez après. Vous commencez à faire putain. Vos. Je vais me noyer, ça me casse les couilles. Faut vraiment que j'améliore ce ponton, merde. Ça vous pourrez en faire un pierre, au moins il pourrira Bled. Pas. Bled. Oula. Oula. Non, descends pas. Descends pas. Il est fou. Je suis en train de me noyer, il descend là-dessus. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop là. Viens dé. Cyrielle, t'es où? Cyrielle. Attends. Non mais non, j'attends pas, t'es où? Je suis avec Léo. Qu'est-ce qu'il fait encore? Putain, mais elle est chiante celle-là aujourd'hui. Là. Ça me fait très rire parce qu'il a cru que j'étais Maëlle. J'ai pas regardé les pseudos en fait, je pensais pas que t'étais sur notre île. Il va de rien faire comme d'habitude. Il va voler sans rien dire, il va croire que c'est Maëlle. Oh, ah, là j'ai gagné. Mur en pierre. L'établi requiert un toit, y'a pas de soucis, je te fais un toit, mon cher. Mon cher établi. Je suis pas là, pourquoi t'avais besoin de moi pour quelque chose? T'as pas entendu que je l'ai appelé mon établi? Non, là je suis en train de. Je t'ai dit de venir. Viens. Elle est chiante aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je l'ai tué, elle est en train de me voler du doigt. Oh la connasse. Putain, c'est un truc de fou, hein, sérieux là. Sérieux là. Demande, je suis dans un monde. Mais je t'ai pas pété. Cyrielle, viens, viens où je te kick de la partie. Mais putain, j'arrive, attends. Mais non, mais tu fais chier tout le monde, là-bas tu les emmerdes. Mais c'est parce que je t'appelle depuis tout à l'heure. Mais t'as qu'à faire quelque chose aussi. Va chercher du fer dans les marécages. Non, j'ai quelque chose d'intelligent, je sais que c'est difficile pour toi, mais. Regarde. C'est trop dur, les marécages, c'est trop dur. Équipe-toi ça et l'ancienne armure, tu la mets dans le petit placard à droite de la table de craft. Ok. Comment on arrête de faire de quoi? J'ai activé la marque, mais j'arrive pas à la désactiver. C'est la touche C. À droite de quoi, t'as dit? Merci. Là, par contre, placard, chaud, là. C'est pas contre toi, hein, mais le tailleur de. Le tailleur de pierre. Je peux juste construire une roue aiguisée dedans. Mais non, mais c'est. Mais. Léo, quand t'es à côté du tailleur de pierre, va dans le truc de construction et tu verras qu'il y a des trucs qui sont rajoutés avec ton marteau. Ah oui, ouais. Je t'ai dit, ça marche comme un établi pour la construction. Ok, bon, bah du coup, j'ai quand même une roue aiguisée, je sais pas quoi. Bah la roue aiguisée, ça sert à faire une amélioration de la forge. Oh là là, je suis tellement baraqué. Mur, pilier, arche, sol. Oh putain. Ah ouais. Tu as posé quoi toi? Des piliers, je vais essayer de faire des fondas. Mais je pense qu'on peut poser le sol à même le sol en pierre. Ouais, je pense aussi. Je vais chercher des cailloux. Bon ben je viens Flo hein. Faut faire du charbon hein, avec les fours à charbon. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas du bois dans. Du bois, prends du bois. Pas le bois normal. Ah. Prends du bois robuste pour alimenter les fours. J'ai l'impression que ta femme elle est saoulée. Ouais. Elle dit qu'elle s'ennuie, mais quand je lui propose de faire des trucs, elle veut pas. Ouais, non, elle préfère nous voler. C'est plus amusant. Oui, voilà. J'aime pas les jeux où il y a trop de sérieux à force.
Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux voler. Par contre, Flo, il active le PVP. Et là, t'es autrement. Avec plaisir. Oh, bah alors là. Contre Maël, à mon avis, tu gagnes, mais contre Léo, non. Si. Maintenant, avec l'armure que j'ai. Parce qu'elle a une armure en fer. Ouais. Oui. Tu l'as mal posé. Ouais, en vrai, ça fait pas de l'armure. Ouais, c'est vrai. T'es où, mon choubidou d'amour? Je te regarde actuellement. Il fait nuit. Pourquoi tu me regardes dans la nuit comme ça? Parce que je suis fatigué. Qu'est-ce que tu fais? Je me fatigue. Bon, le, t'as mis le charbon en serre? Tu veux qu'on aille dans les marais? Et on va dans les marais. J'ai pas envie, mais ouais. Si, si. Mais pourquoi t'as pas envie? T'as jamais rien envie de faire? Parce que c'est trop sérieux pour elle. Oh là là. Voilà, alors je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. Mais ouais, mais toi t'es juste un défaitiste. La meuf elle est optimiste pour des trucs ridicules, mais par contre pour un jeu vidéo elle est même pas capable d'être un minimum optimiste. Maël, prend mon des bisounours pour la réalité. Pas être fun. Pour être fun, il faut poser des murs. Où ça? Des Galvor. C'est mamie le monde des roses. Des Galvor, merci. Allez, poser des murs. Où ça? Pourquoi t'as posé un mur sur mon mur? Oh là là. Ah merde! Oh non! Oh, mon mur il fait chier, il est. Ah, attends! Attends, en fait, ton histoire de pilier c'est pas mal! Mal au dos là. Oh putain, non, j'ai. Qu'est-ce qu'il a, mon dos? C'est... Aïe! Aïe! Y'a Odin là-bas! Y'a Odin! C'est vrai, Odin, finalement, je l'aime pas! C'est l'homme de ma vie! Aïe, il a disparu! Oh, mais voilà, tu l'as fait que poussière! J'ai même pas avancé trop. Hein. Oh, mais Flo, mais en fait, je me rends compte que mes armes sont à mid-life. De quoi? Qu'est-ce que t'as? Mes armes, elles sont à mid-life. Mais c'est pas grave. Non, non, va les réparer. Tout de suite. Ok, c'est vrai. Merci. Ouais. Va les réparer, tu prends la charrette aussi. Elle était bien contente de dire ça, j'ai l'impression. Hein, quand elle a dit mes armes, elles sont à mid-life. Oh, y'a du mob déjà. Je vois pas de spectre. Ah, si, un spectre. Putain de merde. Ah, je suis content d'être parti. Il y a un spectre qui arrive et il y a plein de mobs avec. Ouais, le spectre, dès que je vais commencer à taper sur les mobs en bas, il va venir. Ah, saloperie. Alors, ah, il y en a un deuxième. Les constructions en pierre sont très moches, mais je sais pas pourquoi, ça sent la solidité. Ah oui, ça c'est solide. Ah oui. C'est surtout extrêmement laid. En fait, ça dépend comment tu t'en sers, parce que je t'ai montré des constructions du mois là sur Steam. Elles étaient faites en pierre, elles étaient très jolies. C'est des mecs qui sont très forts en construction. Mais ça, c'est des gens doués. Léo, il est pas doué. Ah bah super, ça fait toujours plaisir ça. Non. Après, Léo, il a pas besoin de voler les autres. Il y a un spectre qui arrive, ouais. Est-ce que j'ai manqué toutes les flèches depuis? Oui, oui, t'en as manqué beaucoup, il y a que la dernière qui a touché. Mais t'as toujours pas pris la chariote? Prends la chariote. La chariote? Ça a l'air compliqué. Cyrielle, tu... Réveille-toi, wake up là un peu. Mais tais-toi. Mais depuis tout à l'heure, tu planes à 2000. Mais oui, j'ai mal au dos, je suis pas bien. Qu'est-ce que t'as de pas bien? C'est moi qui te vois pas être bien. J'ai mal au dos. C'est moi de me lever à... C'est vrai. Moi demain, faut que j'aille à la salle de sport alors que j'ai mal. Oh là là. Ça c'est du loisir ça. J'ai rien fait, tu n'as rien vu, c'est parfait. T'as pas foutu en l'air la charrette encore. Si, mais c'est bon, ça va mieux. C'est pas possible. Attends-moi, attends. J'ai peur toute seule. J'ai peur. Allez, viens. T'es allez. Y a aucun risque. C'est qui nous dérange? Le spectre, rien que ta voix, dès qu'il entend, il va partir. Allez, viens. Salut les amis. Salut. J'ai peur. Sentez seul tous les deux alors. Putain, rien, je suis tu travailles demain, Joe? Flo, il y a un spectre là-bas. Il est sur gris. Un spectre. Ah oui, ça je confirme. Il y en a plein. Ah, il en a du temps à récupérer là.
le premier bizarre, des fois, il y a des échos pendant quelques secondes. Ouais, mais ça, c'est... c'est à cause de la côte Léo. Il y a un recours. Ouais, la côte Léo, elle est nulle, C'est pas par là. Elle est nulle, petite. J'ai envie de dire, si dans ce cas-là, on a qu'à se préciser pour avoir une meilleure co à Léo. Non, c'est pas possible, en fait. Ah. Je veux bien que vous vous cotisez blanche. Non, mais le problème, c'est que là, je suis pas chez moi exactement, quoi. Ah. Vu que je suis en étude, je suis dans un appart-hôtel, du coup, j'ai la côte de... Ah oui, ok. Pompe la côte de l'hôtel, quoi. Il doit bien pomper, par contre, la côte de l'hôtel. Non, trois quarts du temps, c'est bien 4G. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'ils disent 5G, mais bon, voilà l'arnaque. Juste marqué 5G. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ouais. C'est le 4G. Je préférerais être en 4G qu'avoir cette 5G là. Ouais, avoir une bonne 4G. Ouais, que... c'est un brevet, en fait. Mais t'en fais une petite maison, toi, en fait. Mais on l'a déjà fait, ça là. C'était la taille de planche. Merde, j'ai pas pris mon... ma houe en pierre, fais chier. Moi je pensais qu'on allait ragrandir. Tu l'as toi, ta houe en pierre? Bah j'ai pas de houe. Bon, de base. Laisse la charrette ici, on va continuer à pied. Ouais, je pensais aller. Quoi, là-bas, c'est quoi ça? Tu veux agrandir mon frère? Y'a pas de soucis, je vais agrandir, t'inquiète. Laisse-moi faire. Oh là là, mais y'a de la flotte là. Je suis zéro passage. On va faire le tour. Oh, y'a une autre crypte là-bas, je la vois. On va la noter sur la carte. Parce que des fois il fait spawn des blobs. Oh, en fait c'est une maman blob. Oui, les arbres ici sont tous morts et pourris, donc oui. Bon, c'est bon, là on est pas trop loin de la charrette, ça va aller. Un blob le géant. Un blob. Okay. T'as toujours ta potion? Tu peux me faire tailleur de pierre ou pas? Ouais. J'ai pas de potion. Mais putain, mais n'approche pas, Cyril. Mais non, mais je t'assure, hein, sérieux. On dirait que tu fais tout pour mourir. N'approche pas. Va attendre que le poisson. Ça se divise. Non, mais je vais mourir. Non, tu vas pas mourir. Ça va passer là, il reste combien de secondes? Tu vas le poser en plein milieu là? Mais non, mais Maël, tu te mets dans les fonds. Non, vive. Tu vois, douce de vie. Cyril, mais... toi tu te dis, ah bah tiens, il n'y a pas de protection contre le poison, mais je vais y aller quand même. Hein. Mais réfléchis. Mais réfléchis, dis-moi, mais je suis pas bête non plus. Ça va. Bon, vu que tu avais décidé de prendre le four, j'ai décidé de déplacer le four. En fait, toi t'es tout seul à la base. Yo. Tu es avec Maël? On est avec toi. Ah ouais. On est à deux, on a commencé cet après-midi à faire notre base à deux et là on avance. Hein. Ah oui. Donc, du coup, on est en train de faire de la cartographie. Cyril, là en gros, ça veut dire qu'on repère des cryptes et on viendra plus tard avec la charrette du coup. Parce que j'ai oublié de prendre. Hein? T'as dit quoi? J'ai dit j'étais là quand vous avez commencé à faire la base. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Mais on est toujours à deux. Merci mon ami, tu pouvais pas me le mettre plus proche. C'est bon, je te remercie. Ah oui, nickel, tu me l'as mis au top. Plus proche, tu pouvais pas. Tu me l'as mis au centre de la maison. C'est là au moins. Ah oui, c'est clair. C'est bien. Cyril. Oui. T'es mort, ouais, je te crois. Alors réponds. Non, je suis là. J'ai déjà répondu, tu m'as juste entendu. Pas. Non. Ouais, bah là, j'ai repris une quantité de pierre cousine. Et l'ascension, elle me coupe les fesses. Non, me dis pas que tu as plongé dans l'eau direct. T'as rempli le coffre. Ok, t'es où? Mais elle me croque qu'elle est presque en face de toi. T'es parti à l'opposé de moi, j'adore. Il fait sombre ici, c'est quoi ça? Ouais, il qu'est-ce fait que noir, j'ai toujours dégagé à part la pierre? J'ai jamais vu un marécage aussi sombre. Il fait tout en nuit dans le marécage? Bah il fait tout le temps un peu comme nuit, mais là il y a eu une période où vraiment je voyais pas un mètre. J'ai rien compris là. Flo, attends-moi. Bah viens. J'y suis trop lourd pour monter. On va faire du poids en posant des dalles de pierre. On va faire du poids. Là il y a une montagne au-dessus. Allez, on pose des dalles. Ah, je suis encore lourd hein.
Attends, c'est pas une montagne. C'est le quatrième biome. C'est une plaine, je vois la neige. C'est une plaine, ouais. Ouais. Non, pas une plaine. C'est une plaine. C'est marqué sur la carte plaine. Et ben moi, j'ai sur la carte là, si tu montes, il y a de la neige, donc c'est pas une non, plaine. Non, actuellement, on est dans une plaine. Il y a un putain de gobelet. Je t'ai dit qu'on était dans une plaine, on est dans une plaine. Cours, 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 cours. Cours, il y a un putain de gobelin. Oh, run. Allez, bisous, ciao, ciao, tout le monde. A plus. Ciao. A plus. Allez, bonne soirée. Oh là là, c'est l'enfer, c'est réel là où on est. Viens, 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 suis-moi, 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 il a arrêté de nous suivre, je crois. Non, il te suit. Cours, il est derrière toi. Il te court après, il te court après. Y'a rien. Cyril, viens à deux, on peut le péter. Tout seul, j'ai jamais réussi à en péter. Enfin, si, j'en ai pété un, mais pas deux. Il était là, je te jure, j'ai vu un petit truc horrible te courir après. Des squelettes qui... Oh. Ah bah ils se battent, ils se battent avec les squelettes. Quoi, non. Regarde, là-bas. Cache-toi derrière l'arbre. Viens, viens vers moi. Voilà. Regarde vers là-bas. Attends, je pense vraiment pas. Viens voir si ça te plaît plus les dimensions. Tu vois toutes les paillettes qu'il a, c'est eux qui se sentent tous. Ah là, ils se battent là-bas en face. Ah ouais, je vois, ouais. Je vois, ouais. Viens, on le tente le gobelin. Non, ouais, si, viens. Là, si on se fait ça plus un étage, on est bon, hein. Ouais. Ouais. On a vu le gobelin après tous les dégâts qu'il a dû prendre. Il est mort, il est mort le gobelin. Bah voilà, on va aller voir ce qu'il a lâché maintenant. Oui. C'est comme ça, on met tout à l'intérieur. Oui. Après, on voit l'aménagement. Oui. Ça marche. Vous avez vu ma nouvelle? Ouais. Et ensuite, on faire une dalle en pierre pour mettre tout bois. Non, ça y est, il meurt ou pas là? Ouais. Non, j'arrive pas à le tuer. Il y a full gobelin là-bas qui arrive. Flo, faut courir. C'est une invasion. Flo, faut courir. Bon, on se casse. Les gobelins, bon, ils donnent du sombre acier. Il y a mieux que le fer. Ils arrivent tous en courant. Cours, cavale. Ils donnent du sombre acier, donc ils sont équipés de métaux vraiment beaucoup mieux que le nôtre. Sombre acier, un morceau de métal sombre. Ah oh, ouais, clairement. Il y a un meilleur acier que le fer. Cavale, Kenny, cavale. Bah, on va se faire la crypte qu'il y a là, donc on va préparer le chemin là. Tu vois la crypte qu'il y a à droite. Mais le quatrième biome, je pense que d'ici peu on pourrait aller aussi. Pierre, sans déconner. Ouais, mais je pense que là tu vas faire m'aider, on est là plus. Ah ouais, là on est. Attends, mais déjà faut que je fasse un coffre, je pose tout mon stuff. Ouais, c'est bon. Sont les options dans les deux coffres dehors. On est cultivé, mais y a pas du tout l'option d'appeler ça, c'est vraiment là, mec, si on veut prendre le maximum de poids, faut y aller en slibardé. Récupérer du. Ah ouais, non, mais. Oui. Ah ouais, oui. Que je vais faire. Elle est là, la charrette. T'inquiète, on la laisse ici, on la laisse ici. Ouais, t'inquiète. La massue, j'en ai pas besoin pour le moment. Une houe en pierre et. Ça, j'en ai pas besoin. Mais du coup, t'as vu, pour avoir du sombre acier, en fait, il faut tuer des ennemis dans le plein. Il faut pas miner, j'ai l'impression. Parce que dans le marécage, tu dois aller faire des cryptes, dans la forêt noire, tu dois... Ouah, wow, mais c'est chaud de fou. Et les montagnes, c'est le pire, je crois. Les montagnes avec les golems géants, là, c'est même pas la peine. Ils t'envoient des rochers. Mais les golems de pierre, en fait, c'est un truc qui doit faire au moins le poids de plusieurs mosses. La première fois que j'en ai vu un, mon pote, j'ai couru vite. Hein. Il était en train de démonter des loups géants. Ouais, c'était infernal. Infernal. Ce jeu, en fait, à chaque fois que tu passes une zone, tu tombes sur des monstres infernales. Des monstres. Putain, c'est l'armure qui pèse une tonne. Au moins, t'es sûr que les ennemis sont difficiles à chaque fois. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, le problème, c'est qu'on tombe sur des mobs de la plaine, alors que nous, on en est au marécage. La plaine, c'est la cinquième zone. C'est pas la quatrième. Marécage, c'est la troisième zone. Et la montagne, oui. C'est quatrième zone. Putain, pas de 23h. C'est là où il y a le dragon à tuer. Putain, il est déjà 23h. Wow, le temps il est passé vite. Ouais. Hein. Ouais, beaucoup trop vite.
Oh, tu peux te battre? Tu veux te battre? À poil, ouais. Ma gueule, à poil, ma gueule. Ah oui, moi je vais taper un casque. C'est 1v1 et un poil. Et un manu. Et une épée de quoi construire? Ah oui, merde, du coup je peux pas me téléporter vu que j'ai dû s'embrasser sur moi. J'ai dû faire. Mais je me suis téléporté. Moi c'est bon, j'arrive. Alors là, je reviens pas dans les marécages aujourd'hui. Demain pour t'aider, mais là je suis fatigué, je vais bien arrêter le jeu. Allez. Mais reste enfermé, toi. Tu m'énerves, Cyril, arrête. Il est en fait. Non. D'une chiante attitude. Je vais voir les deux losers. Ah, les losers, ouais. Si tu veux. Et va voir les builders. En tout cas, les losers, ils construisent une maison en terre. Mais oui, mais vous faites que ça, que construire au lieu de vous battre. Jamais vu ça. Non, moi je peux pas aussi. Il faut des gens qui construisent et d'autres qui font l'expo. Ah non, mais demande à Flo, dans tous les cas, moi je construis aussi. Je me bats aussi, hein. Mais j'ai fait des donjons avec lui. Ah oui, on en a fait. Mais oui. Tais-toi. Par contre, on va planir un peu tout ça après, parce qu'il y a un champ d'obus. On s'en tape pour le moment, on veut du caillou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. On fait de la pierre pour avoir de la pierre pour pouvoir construire en pierre. Mais j'y crois pas, mais vous avez fait depuis que pierre, là. Ah bah non, on tue rien du tout. Là on est déjà à sec. Ah ça part vite, hein. Ça part pierre, les bulles en pierre. C'est terrifiant, Flo. Dire qu'on est en scie pour récupérer les pierres. C'est terrifiant. Mais pourquoi vous êtes nus déjà? Ça c'est terrifiant. Pour avoir moins de poids, les armures elles pèsent 20 kg chacune. Et l'autre truc terrifiant, c'est que putain, en une heure et demie, vous avez fait tout ça. Attends, j'ai envie d'aller voir là. Attends, mais Flo, viens voir. C'est déconcertant. Il va y avoir une. Ouais, c'est déconcertant. Il y a des gens à poil qui auraient de travailler. Oula, c'est qui a fait cette petite voix? Oh, c'est Maël. Maël qui essayait de te. Parce que tout à l'heure, t'as fait une remarque. Ah, j'ai même pas entendu. Il pleut encore, mais il fait que ça. Ah bah ouais, il pleut pas. Mais là, il y a deux types en slibar sous la pluie en train de piocher. Ouais, c'est ça qui est encore plus terrifiant. Oh là là, venez, petit troll. Oh non, si t'amènes le troll, je te fais pour te bousiller. Ah ouais, je te bousille, on a rien là. Mais Florian, vous saura. Non, du tout, c'est pas. C'est ouh, pas le troll. Non, c'est faux, j'ai dit ça pour les faire stresser. Ah ouais, je vois. Donc, c'est les fondations. Après, construire une base dans la forêt noire, c'est risqué quand même, hein, faut le voir. Bah, j'ai bien construit une base dans le marécage. On a survécu. Ils ont du stock et tout en plus. Petit ah oui, on a du stream, mec. Hein. Ah, mais je vois ça, je gagne le stream de Flo en même temps. Donc, regarde là tout ce qu'on a creusé là. Faut que Flo aille jusque là-bas. Bah là, il y est. Et tu vas voir. Ah oui. T'as vu Flo comment c'est impressionnant ce qu'ils ont fait? Ouais. On dirait Attack on Titan quand même. Ouais, c'est clair. Mais les gars, nous on a prévu, on charbonne. Ça non, mais là, bien. C'est plus que charbonner, vous êtes que sur Minecraft. Ah non, pire que Minecraft. Mais Minecraft. Il y a un manifestant en haut, je répète, il y a un manifestant en haut. Ah non, c'est toi. Ouais, pour la démocratie ou les. Pas de démocratie. Il y a un manifestant. Tu as rempli le coffre qui était censé être pour la pierre. Ah oui, bah je peux pas. Oh là là, par contre ça va beaucoup trop doucement à choper de la pierre comme. Depuis tout à l'heure là que j'étais revenu creuser, j'en ai eu que. Cyril. Ouais. En haut, tu sais, dans la salle des portails, cherche le portail avec la pancarte avec écrit réserve minérale. Tu vas au camp de la réserve minérale et tu vas farmer de la pierre, comme ça tu nous avances les réserves de pierre pour. Mais je suis déjà en train de farmer de la pierre ici. Ouais, mais je préfère avoir tous mes stocks à la réserve minérale. Mais t'inquiète, je te les ramènerai. Ouais, mais bon, vas-y. Ça aurait été plus pratique d'aller là-bas avec. Mais non, Cyril.
Mais c'est faux, hein. Mais moi je les crois, mais ouais, je suis désolé pour toi. Plus avec nous, là. Ouais, elle est en train de creuser, là. Oui, mais elle pourrait... vous aide et en même temps, je prends de la pierre. Arrête, elle a dit qu'elle prenait de la pierre pour eux. Bah, la pierre que je creuse, moi. Au pire, si elle a envie de creuser, qu'elle creuse. Qu'est-ce que je te dis? Garde juste la pierre. Et c'est le seul moyen qu'on ait de couper de la pierre, ça? Bah, casser les rochers, c'est quand même le plus rentable. Ah oui, parce que là, creuser comme on creuse, c'est totalement débile. C'est vrai que niveau rentabilité, je trouve que c'est pas fou par rapport à la quantité que vous creusez. Ça marche. Enfin, je pense pour vous qu'il vaudrait mieux. Cyril, reviens à la base, oui, j'ai un casque pour toi. La seule pièce d'armure qui te manquait, je l'ai. Comment il sait la madouer, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai fait couille, j'ai fait de la pierre là-bas, on va aller dans le casque. C'est bon, il y a ton casque, Cyril. Il y a des champignons qui poussent là où on a tout pété. J'arrive, j'arrive, mon chouchou. Wouah, putain, ton arme par contre en fer elle coûte cher. Tu m'étonnes. Un stock de lingots de fer, rien que pour faire ton arme. Ouais, mais après les dégâts, c'est un délire. Tu fais la headgear de la. Ouais, là, bah, tu veux une headgear ou tu veux autre chose? Il y a hache de combat, il y a des masses de fer à deux mains. Il y a des masses. Je me demande si tu l'as fait pour toi ou pour moi. Mais c'est pour toi là, moi je me suis déjà armé. Oh, t'es beaucoup trop gentil. Oh, t'es un amour. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. De choisir. Oui, maître. Et viens chercher ta pièce d'armure. Ouais, on a récupéré. Oh non, j'ai pris un truc sur moi. J'ai que du fer. C'est pas grave. Hein. Tu vas le poser en haut dans le coffre où il y a du fer. C'est celui. Tiens, lequel? Déjà ton casque. Ouais, bah, donne-moi le, Pierre. Jette-moi-le. Ouais, il est tout bien. Voilà, oh, il y avait qu'un de fer. Ah ouais, d'accord, Adrien. T'as totalement raison, mais. Je suis un McDo pour avoir fait les armes. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé à cette technique. Et mon chéri, voilà. Elle est où ton arme? L'arme, il nous manque un peu de fer, il faut le faire chauffer, mais on a le fer. Oh non, il y a tout attaqué une manche, arrête. Et après, je nous ferai les outils, mais les outils, il faudra pas s'en servir tout de suite parce que nos outils, en fait, vu qu'ils sont améliorés à fond, eh ben, ils sont mieux que les outils en fer level 1. Ouais. Donc, il faudra les améliorer avant de s'en servir. Putain, surtout que là, on va pouvoir améliorer bien loin. J'ai cassé la charrette. Il attaque Léo et moi. Il y a un bleu qui. Qu'y a-t-il? Un de quoi? C'est pas une charrette. Il y a un nag. Ah ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Les coffres, ils vont tout casser les coffres. Quoi? L'extérieur. Viens là. Salope. Je te prends au poing, je prends pas les couilles, viens là. Viens là toi. Tiens. Je te prends un coup de patate, j'en ai rien à foutre. J'en mets mon armure moi. Il y a beaucoup de violence, c'est impossible. Mange, tu casses les coffres. Voilà, quand même qu'ils font du parcours. Ah oui, c'est monté sur le toit. Pour une expérience scientifique. Il y a un type à poil en train de se battre avec un aigri. Hein. Oh, je veux voir ça de mes propres yeux. Trop tard. Putain, ils font chier, ils ont pété. Tu veux la même arme que t'avais, Cyril, du coup, ou pas? Bah, l'Edgear, oui, c'est la meilleure, je changerai pas. Never. Ah, il a droit. Là, du coup, t'as aucune excuse hein, pour le marécage. J'ai vu que ça peur comme excuse en fait. Non, j'aime bien parler. Moi je déteste ça. Un stack de fer rien que pour ton arme, c'est énorme. Mais bouge! Mais bouge! Qu'est-ce qu'elle est chiante alors? Casse-toi! J'adore! Quelle connasse! C'est cher quand même. Hein. Oh, yeah, ouais, c'est yeah, cher de fou en matériaux là, son machin. Surtout, ça coûte cher pour une femme. Ouais, est-ce qu'elle en vaut le prix? C'est ça la question. Il va même pas s'en servir comme une folle en plus. Mais en vaut-elle le prix? Telle est la question.
T'as intérêt à faire du kill avec ça, Cyril, parce que 65 de dégâts, il y a marqué 65 de... Je suis plus forte que toi, donc... Je suis pas sûr. T'as 65 de perforant... Vous voulez pas Léo et Mel. Y'a que ton arme qui est forte. Et de là-bas, c'est les 2 gigas de shad en train de travailler. Voyez. Ah mais nous, on dit rien, mais on... Charbonné. Allez. Yeah, il faut travailler pour bâtir son empire, gros. MDR, empire, on est sur Valais. Ouais, mais ça peut très vite tourner au désert. Regardez là, ça fait partout. Oui, il faut que j'aille tester mon arme. Tu vas dans les marécages et tu testes. Non, pas les marécages. Ah, ça bizarrement, oui. ça me dit, hein. Ah, ouais. Non, mais elle a peur des marécages. Elle a bien raison. Elle a raison d'avoir peur. C'est l'enfer, les marécages. Des monstres ultra puissants. Oh, je fais tellement mal. Oh là là, j'adore. Faut chasser des biches. Ouais, mais c'est pas avec ma headgear que je vais pouvoir. Non, mais avec ton arc. T'as un arc, non ? Ouais, mais bon, c'est le pire. Je sais même pas si je l'ai dit bien depuis tout à l'heure. Je vais voir peut-être que là où il y a des monstres. Casse-toi, on veut plus de toi, tu casses les couilles. Mais ouais, j'ai rien fait. Bah si. Mais j'ai volé qu'une fois. Voilà. Déjà, à partir du moment où tu dis ça, c'est que t'es chiant. Mais tais-toi, c'est toi qui as gardé le bois et tu l'as même pas rendu. Ah ouais, tu crois. C'est moi qui Et quand on a voulu le rendre, Léo, il a dit qu'il le voulait pas. C'est moi qui lui ai dit. Quand donc, je l'ai rendu, il a rendu et je l'ai refusé. Ben voilà, donc c'était bien. Ça fait de la... Au final. Simple, arrête, mais j'ai déjà une place dans mon staff. Hein. Qu'est-ce qu'elle est chiante alors, c'est un truc de fou. Ça les femmes. Maëlle, on va. Je propose aussi qu'on répare les tours de guet qu'il y a aux alentours. Tu sais, les tours en pierre. Je sais plus ce qu'il faut, tiens. Pour faire de l'hydromel de poison. Là. Faut du charbon, mais non, mais tu déconnes. Ça faisons plein, ça. Ouais, mais non, mais là, déjà, il y en a en préparation et puis il nous faut du charbon là. Mais j'en ai fait cuire plein du charbon. Ouais. Non, non, mais il en faut plein. Plus que ce que tu as mis. Gros cailloux. Ah ouais, moi je fais des gros cailloux. Les gros cailloux ils donnent 7, voire 7 maximum de pierres. Ah non, là je pense que si. Ah ouais. Là moi, je suis en train de frapper. Ouais, parce que Cyril, en fait, on consomme 40 de charbon par fournée pour le minerai. Sérieux? Bah oui, ça coûte cher. T'as une pioche en bronze. De quoi? Ouais, j'ai une pioche en bronze. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que tu donnes ton point de plus. T'as pas de pioche en bronze, toi? Non, moi j'ai pas de pioche en bronze. Ah, maintenant, toi, je t'ai passé la hache en bronze. Ouais. Et à mon avis, du coup, toi, t'as plus de bois, par contre, quand tu pètes les arbres. Ouais. Aïe. Ah, fatigue. Tu peux arrêter? Oh non. À bientôt, hein. Ninja, oh non. Ouais, mais c'est parce que j'ai pris un truc pour charge dormir. Complete. Oh non. De toute façon, demain, il y a... demain, c'est son monde. Je suis le seul chômeur. Ah, demain on peut en refaire après, demain soir aussi, si vraiment tout le monde est chaud. Ouais, moi je t'affronte pas demain. Votre mur il est tellement haut que j'avais pas remarqué, j'ai voulu descendre, je me suis fait mal. Bon, GIGN, c'est parti intervention, putain, y'a trois. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fabriques ce coup-ci? J'ai rien. Vas-y, dis-moi. Elle cherche juste des cibles à abattre. Ah voilà, enfin quelqu'un qui m'a dit. Oh. Écure, ouais, elle en a sur son territoire, elle n'est pas obligée de venir nous casser le. Ah, mais elle va chercher les trucs les plus faibles pour savoir. Ça c'est bien, ça me plaît, je prends. Ça aussi, ça me plaît.
cours. Hop, c'est parfait, j'ai fait les courses. Je peux rentrer à la base. Bon. Oui. Active le PVP maintenant tout de suite. Non, je rigole, c'est faux. Non, active-moi le PVP maintenant tout de suite. Non, mais faut que je cherche comment. C'est quelle commande? Mais c'est faux, non, on va faire le PVP s'il vous plaît. Ah, je vais rien à foutre. Mais c'est faux, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien volé, il faut que tu t'arrêtes un peu. Tu me merdes. Ah, c'est sûr, Adrien. C'est sûr que. Un bruit de poids pouvait. Beaucoup plus reposant. Alors ça je prends, et deux secondes après elle dit bon maintenant je me t'entends le portail. Mais non mais c'était pour rire, c'était du roleplay, mais c'était... Ah oui, j'ai rien pris. Non, rien d'intéressant Flo, j'ai des meilleurs trucs que... Qu'est-ce que tu veux que je prenne? Oh, du tout. Vu que ton truc c'est juste de voler et pas forcément pour avoir quelque chose en plus. Il est arrivé à me cerner le petit. Le petit c'est un rat d'égout en fait. Rat d'égout. Le plus grand, le plus vieux peut-être. C'est plus pire qu'un rat d'égout. Mon cœur saigne. Le fer là, il y en a plus sérieux, il va falloir que la prochaine fois on fasse la crypte qu'on avait trouvé. Hein. Bon, moi je vais y aller, j'ai mal au dos. On se met pour son arme. Là tu te casses maintenant que tu nous as pillé. Ouais, au revoir. Au revoir. Et en plus, c'est dégueulé quoi, c'est vraiment une saleté. Ah ouais. Non, mais c'est ta saleté en plus, hein. C'est la tienne. Hein. Ouais, je sais. C'est la tienne. C'est horrible. Je sais. Arrêtez, il va me quitter. Ouais. Ah. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau, ce serait beau, mais ça n'arrivera pas. Non, ça va pas quoi. Non, ça va pas. Ah, mais moi, on me fait chier, je fais chier en retard. Cyrielle, tu vois vers leur continent là, vers le nord, il y a un passage où la terre elle se resserre, on pourrait refaire un canal pour accéder aux mers à l'est de leur terre. Ouais, ça me va, j'aime bien creuser des canals. Ouais, la dernière fois t'avais fait un travail monstre. Ah ben le canal. Attendez, je vais vous montrer quand même avant d'arrêter le stream, je vais vous montrer vite fait. Le canal. C'est près de la réserve minérale. C'est un gobelin. C'est comparé à un gobelin. Ben non. Non mais comparé à ce qu'a pris Adrien. C'est une pie attirée par tout ce qui brille. Ouais. C'est vrai. Une pie. Non, pire qu'une pie. Une pie c'est trop classe pour elle. Non, c'est pour ça que je dis un gobelin. C'est vraiment un rat. Non, elle, c'est vraiment un rat. Un gobelin, ça pie, ça brille. Oui, mais elle s'en fout que ça brille ou que ça brille pas, du moment qu'elle vole un truc. Si elle pouvait voler de la merde, elle volerait de la merde. Elle est quand même passée de Pi à Gollum. Non, Gollum il est trop classe, pareil. Je me fais insulter de gros rat. C'est un Ogrins. Non, le gros rat serait une insulte. Pas trop. Ouais, les chemins ici... Ils ont conclu qu'il n'est pas choqué par nos propos. Non, il a l'habitude de faire la même chose. Oh là là. Fais-toi passer pour la victime alors que tu énerves tout le monde. Je sais pas s'il y en a qui ont la ref, mais les rats dans Warhammer 40k. Les rats dans quoi? C'est ça en fait. Je compare à ça. Regardez ici en fait, on a casé comme ça. Un autre nom, mais. Merde, c'est sympa. Donc ça nous fait un accès du sud vers le nord là-bas de ce continent. Non. En bateau. Et du coup, on peut accéder aux mers qui sont au-dessus là. Ah merde, faut mettre des poutres en bus. En bois robuste, je pense. Non, où ça? Attends. Oui, attends, je vais chercher de quoi faire des poutres. Bon, allez, je retourne à la réserve. Non, c'est bon, regarde, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, on est bon. Merde. Voilà. Mais non, on va pas laisser un trou, Maël. Non. On va laisser un trou, mais c'est stylé. Non. T'es dans le bâtiment, elle est où? Non, du tout, mais. Non, mais c'est.
vous avais dit qu'il fallait pas me chercher. Ouais, hop. J'ai buté du mob. Il est revenu en sac. Un bourgeon, un sanglier, oh. C'est la guerre là, ici, c'est quoi ce bordel? Regarde, là on a une poutre, on a une grosse poutre qui maintient tout là. Tu as Manu quand même. Ça va là comme ça, non? Ouais. Qu'est-ce que. T'as une place pour où, mon frère, l'escalier? Rassure-moi, c'est juste un échafaudage, c'est pas. Oui, c'est un échafaudage, putain, m'a tout cassé. J'ai pas tout cassé, hein. C'est toi qui t'as tout cassé, hein. C'est parce que t'as pas mis le pilier en dessous. C'est toi qui t'as tout cassé. C'est parce que, mon frère, si tu fais ça, attends, décale-toi, décale-toi en fait, voilà, si tu fais... Alors oui, j'avais mis du bois, ça coûtait moins cher, mais tu peux... Attends, je te repose un. Attendez vite. Et un autre. Attendez vite. On va pas tenir, tu sais, j'ai mis le bois. Hop, hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Du coup, où j'en étais? Oui. C'est la fin du stream, tout le monde. Je vous retrouve demain. Donc demain, c'est soit du War Thunder, soit du Valheim encore. Parce que là, on est dans une bonne phase Valheim. Donc je vous dis à demain. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et une bonne semaine. Allez. À la prochaine.